Thank you Allez salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch, bienvenue dans PouroMania numéro 66, je suis Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve avec pas l'équipe, encore une fois complet, parce que malheureusement Jérémy n'est pas avec nous ce soir, Jérémy travaille. Ah et oui, bah oui, chez lui il est 14h quand on enregistre. Donc bah on espère qu'il va pouvoir revenir tout simplement. Euh, à voir. Mais en tout cas, voilà, on va essayer de s'arranger. Mais je, je, du coup, je, je reprécise. Euh, euh, surtout, si vous voulez venir parler euh, dans n'hésitez pas parce que j'aime bien être 4. Et ces temps on est tout le temps 3. Et euh, bon, ça n'empêche qu'il y a plein de débats, donc c'est pas grave. Mais dans l'idée, je vous, j'aime bien qu'on soit toujours quatre, histoire qu'il y a de plus en plus de débats et tout ça. Donc, si ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas. Euh, la seule truc que je demande, c'est de bien sûr suivre. Le pourreau, hein, bien entendu, sinon c'est un peu compliqué. Et puis bien sûr d'avoir un bon micro et euh, surtout bah, d'accepter de montrer son visage à la webcam. Donc si vous souhaitez, n'hésitez pas à me contacter, Cody Rebus sur Twitter ou sur Discord. Mais en attendant, ce soir, on est accompagné de celui qui fait son retour dans l'émission, c'est Fab. Comment ça va Fab hey, Salut la compagnie <rire> <rire> Toi, t'as vraiment envie que j'utilise ton son pour me... Pour... <laughs> Non a priori c'est ça j'ai pas choisi Bon ça va bien, tu t'es bien ouais. reposé Ouais ouais, on est ouais. reparti là. Non euh... on est fatigué mais on est ouais, bien. Non, non, ouais, toujours fatigué mais bon, tu reviens. Ça va mieux. Bon, on bah, voit très bien, très bien et le dernier de la bande mais non les moindres, Max. Comment ça va Max Hey, salut tout le monde, <laughs> ça va bien ça va et toi Ouh que... Impeccable Ouh. 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 Bienvenue donc, dans oui, le podcast oui. du fun et du, ouais. du Japon Ouh. Ouh. Le fun et le Japon Ouh. Ouh. Et maintenant on va faire les podcasts à minuit pour que Jérémy puisse les faire avec nous. Bah Ouh. ouais Ouh. 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 Bon ça va Ça a l'air d'aller en tout cas Ouais ça va ça va. Bon bah impeccable, impeccable. Aujourd'hui au programme on a on va parler surtout... De New Japan Pro Wrestling et de la journée 4, 5, 6, 7, 8 de la New Japan Cup. Euh, mais donc on va pas parler de la journée qui a eu ce mardi 15 mars parce qu'on enregistre le mardi, vous le savez, pour Romania. Donc du coup on va pas parler de la journée d'aujourd'hui. Euh, moi je suis spoil, mais Max n'a pas vu et n'est pas spoil. Donc, euh, donc voilà, enfin je crois être spoil, mais bon. Je sais, je suis pas sûr. Mais on va surtout parler de Noah Great Voyage in Yokohama 2022, euh, le gros show de, de Noah euh, qui a eu ce week-end et Noah qui enchaîne beaucoup là ces, ces derniers temps. Parce que ben on va, on va faire le résumé un peu de qu'est-ce qu'on va avoir la semaine prochaine. Euh, je pense que c'est le plus gros week-end qu'on a eu dans le pouro depuis euh, le week-end de, du début janvier. Euh, Sauf faut... aucun doute. Franchement, on a que des trucs de ouf, enfin que des trucs de ouf, on a que des gros shows pratiquement, ouais. donc après, après c'est en fonction des, des affinités Max, si tu me permets. Le <laughs> ouais, show de Noah n'est pas un très gros show. C'est un gré de Voyage quand même. Ah, euh, non, et... c'était celui-là, le suite du week-end ah, prochain. Bah, ouais aussi, c'est oh la bon suite. Ouais, ouais, c'est gré de Voyage et une uh, Yokohama et là c'est Fukuoka. Ouais, Fukuoka. Ouais. Mais en fait, okay, okay. pour être plus sérieux, t'as deux shows euh, Noah ce week-end. T'as Get Funky, ou pas Get Funky, mais un truc comme ça. Euh, t'as as un show avant, ou t'as... Je sais plus ce que t'as exactement, mais t'as... T'as pas vraiment toujours un match important dans le premier, mais t'as, tu sais, la construction, quoi. Bon, ok, ok. Voilà. Ouais. Euh, mais voilà, mais bon, euh, vous verrez, on va en parler de, de ce qu'il y a, de ce qu'il y aura la semaine prochaine, en, en fin d'émission si on n'oublie pas. Hein, vous me ferez penser si j'oublie. Et on va surtout passer directement aux news euh, parce que bah, parce que ça fait plaisir, hein, tout simplement, euh, d'avoir un peu de, de news. Euh, tac, voilà, comme ça, on est bien, et comme ça, on est bien, et comme ça, on est bien, les news. <laughs> oui, je suis un, un vieux monsieur, et alors, <laughs> et tu alors rien dis, mais... bah, je, je fais des entrevues avec des, des personnes de 80 balais, donc... Euh, 79. Ouais 79, pardon, pardon, Attention. Ah, j'ai failli me faire prendre. T'as vu j'ai esquivé, esquivé quand même 2-3 de, manchettes hein, dans, dans notre Ouais bah, en même temps, Tu euh, cherches. 5 cherche. minutes avant il te dit qu'il a 79 ans puis tu t'as combien 82, 83, toi. 80... <laughs> bah, 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 ça va partir hein bah, j'ai confondu Pop-Off avec Mouto à un moment il a un peu la même tête. <laughs> Oh là là, là, là. Un mouton, il fait plus vieux. C'est clair, c'est pas, pas faux. En même temps, c'est juste un chauve qui a une petite moustache. Hein. Donc, euh, bon. <rire> <rire> bon, en tout cas, euh, si vous l'avez pas vu, euh, n'hésitez pas à aller voir l'entrevue que j'ai fait avec euh, Théo Popov, la légende du catch français. Et, euh, et puis euh, surtout, euh, euh, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé euh, cette euh, entrevue. Parce qu'il y a une suite qui va arriver dans un format un peu différent euh, un format beaucoup plus YouTube. Et euh, Voilà. Donc, euh, c'est un format qui sortira pas en version euh, podcast. On passe du coup, euh, avant de parler de, de New Japan et de Noah, enfin de Noah et New Japan, on va parler un peu de All Japan Pro Wrestling. Avec rapidement, euh, j'ai regardé le match qu'il y a eu euh, dans le dernier show de, de All Japan. Euh, C'était. Euh, que ah, j'ai même pas pris de note, tiens, parce que du coup tu m'as pas mis euh, quand c'était le show, euh, Max. Ah, pardon, euh... ouais, il n'y a pas de souci, mais je, je sais plus quand c'était, tu vas tu vas me dire ça. Euh, donc il y avait euh, un show au Korakuen Hall, euh, c'était. Il euh, y avait même pas 300 personnes au show, alors c'était vraiment une petite carte. Hein. Le main event c'était euh, le match pour le titre All Asia, euh, Total Eclipse, Okutomori Mori et Yusuke Kodama euh, qui ont gagné contre Evolution Dan Tamura et de base ça devait être Abdullah Kobayashi. Abdullah Kobayashi a été, euh, euh, avait une, une, une maladie, une crève, un peu une, un état grippal on va dire, donc ils l'ont mis de côté. Et donc du coup c'est Suama euh, qui est venu euh, avec Dan Tamura, sachant qu'il y a une espèce de storyline entre Dan Tamura et Suama. Suama avait dit que, que Dan Tamura était un peu viré de Evolution parce qu'il euh, faisait copain-copain euh, avec... Avec Abdullah Kobayashi, euh, mais au final, Suama est venu aider Dantamura. Et malgré la défaite, parce que la dé, le, le match s'est euh, euh, fini avec euh, une victoire de Okuto mori sur euh, tamura euh, Suama a plus ou moins pardonné à, à Dantamura et l'a euh, re-remis re dans l'évolution Voilà, donc c est c est bon. bon, ils ont essayé de combler les trous avec ce qu'ils avaient. Hein, tout simplement, euh, le match en lui-même, c'était un, un match plutôt sympa. Sous a fait ce qu'il fait tout le temps, à savoir les, les, bah, les retours. Euh, voilà, euh, mais j'aime ai, beaucoup le, le face à face d'Antamura Okuto Mori. Ces deux jeunes catcheurs, on sent que ça peut être euh, d'ici euh, 5, 6, 7 ans des têtes d'affiche de, de la promotion. Euh, voilà ils ont ils ont le potentiel ils ont entre 20 et 25 ans 25 ans quelque chose comme ça on sent mmh. qu'ils ont l'air de les mettre un peu en avant voilà je sais mmh. pas si vous avez un truc à dire là-dessus bah, c'était le 12 mars du coup j'étais de regarder à... 12 mars <laughs> c'était euh, dream power series ouais. 2022 le jour 2 c'est ça c'est ça c'est mmh. la, la tournée dream power series c'est ça, mmh. ça. Ouais. je sais pas si Fab tu as un truc à dire là-dessus sur euh, Dananto roads euh... alors bon, vous Dantamur... avez pas vu hein, mais... Ouais, Don Tamura, ouais, j'aime bien son côté agressif. Ouais. C'est plutôt cool. Mais au couteau Mori, ouais, c'est clair que par contre, ouais, je suis totalement d'accord. Il est cripognon sur sa tête Estar. Ouais. Il a une gueule, il est talentueux. Sachant, euh... excuse-moi, sachant qu'on va y revenir, mais il a un match pour le titre junior euh, ce week-end, du coup, le, le, le lundi 23, euh, contre... Euh... Akira Saito été... qui, Sato Aki... oh, Sato Ikaru Sato Ikaru Sato, Sato, Sato je crois. Ouais, euh, Max bah, est en train de chercher. Oui non, oui Non, c'était pas en train de chercher. Non. bah regarde dans sur quel match dans les champions. Ouais. C'est Ikaru Sato. Ikaru Sato, c'est ça, il a gagné contre euh, euh, le butcher, la Sugi. Sugi, ouais. Ouais. Muchi's the butcher. C'est bizarre lui, on le voit plus sur le Japon. Est bizarre, pourquoi, hein il est en train de prendre des je pense, oui, je pense effectivement. non, ouais. mais euh, voilà, excuse-moi. Ouais, donc, euh, ouais, non, non, bah ça va être cool. Je suis normal junior, euh, pourquoi pas? Il va il... Ouais, tout est possible la division de junior, ouais. peut le prendre, mmh. donc, mais, euh... mais de... Ça... De... bah oui, puis en vrai, il peut le prendre. Hein, je pense qu'il peut le prendre, ouais, serait cool. oui, et puis ça commence à faire longtemps que c'est sur le même homme hein, quand même. Donc, bah, ça, ça, ah, ça, ça fait un une peu... semaine, deux <laughs> semaines à peu près, donc ça commence à faire long. Hein. <laughs> C'est vrai. Non mais après, Ikaru sato ça reste un quelqu'un qu'elle a depuis longtemps. Et euh, s'il si faut vraiment dans l'idée moi je pense qu'il il, il, il devrait garder le titre je pense mais il peut le, il peut le prendre aussi hein. j'ai fait ma logique, Max bien sûr ah, j'ai dit les deux c'est vrai que, que les deux sont possibles hein, chance sur deux, deux tu dis les deux et puis voilà. Bah, voilà et après je dis bien entendu sur Twitter je l'avais <laughs> dit je <l> l'avais dit <laughs> c'est bien l'un des deux qui a gardé le titre je l'avais dit ouais. bon, c'est pour ça qu'il faut écouter pour Romania. Hein. c'est tout C'est comme ça on vous bon. dit qui gagne l'un <laughs> ou l'autre effectivement <laughs> vous le voyez en bas à droite c'est tout simplement la liste des participants du champion carnaval euh, 2022 euh, j'ai pas les dates euh, comme ça en tête j'ai complètement oublié de les noter euh, mais ça va arriver je crois que ça commence en avril je crois ou fin oui c'est en avril ouais c'est en avril euh, alors on avait pas mal d'espérance en, entre guillemets hein, dans l'idée on se disait allez pourquoi pas avoir des gaijin c'est ça c'était l'espoir qu'on avait voilà c'était l'espoir qu'on avait mais franchement euh, vu la liste des catcheurs, j'ai envie de vous dire peu importe, parce que non. moi, pas peu importe quand même. Moi, franchement, si c'était pour rajouter, je sais pas, un Hammerstone, moi je pense à des mecs de MLW parce que oh. oui, mais quand bah, ça tu vois quand la liste, oui, mais quand tu vois la liste, franchement, il n'y a pas. de Oui, besoin. mais ça, ça ramènerait du changement encore une fois. Bah là, as du ça changement. Compte. Oui, non, mais d'accord. Euh, oui, ah, okay. On aurait bah, pu euh, avoir oui. un Davy Richards. Ben oui, par exemple, euh, par ouais, exemple mais... ouais. enfin moi franchement j'suis... là tu peux enlever Yoshitatsu ça gêne personne Bah oui mais ça reste un name de, de la promotion donc euh... ouais mais si tu peux ramener euh, ouais uh, Davy Richards ou Hammerstone c'est ou... c'est peut-être peut tout simplement Après... pas leur envie Peut-être qu'ils pouvaient pas aussi. Ils pouvaient que, pas. Ou ouais. aussi les gars n'ont pas envie d'aller chez All Japan. Peut-être, peut-être, hein. peut-être, bien sûr. Ça, ça ne reste que All Japan. Oui, oui. Non, à, on est, actuellement, on est est, on est ça reste une promotion qui est quand même en dessous des autres. Ah bah, C'est une, euh... prom une promotion mineure, ça on est d'accord. Moi j'espère juste que, que le, leur show qu'ils auront avec New Japan va leur donner un peu, plus, un peu de publicité. Euh, C'est en septembre au Korakuen pour les 60 ans du Korakuen. J'espère ça. Après, euh... Après moi, c'est une promotion que j'adore. Je suis hyper satisfait parce que je vois euh, depuis... Euh... Bon, il y a des fois je râle un peu, mais généralement, je suis quand même assez satisfait. Euh, parce que le, la dernière fois, j'ai dit, même le Abdullah Kobayashi Kento, je m'attendais à pire. Enfin, Kento, pardon. Je m'attendais à pire et euh, je n'avais pas trouvé ça dégueulasse, tu vois. J'ai mis 375. Donc, je suis... Bon, c'est pas incroyable, mais je suis beaucoup plus satisfait du booking général de All Japan que de Noah, par exemple. Si on compare les deux. Ouais. Euh, voilà. Ouais. Moi, moi personnellement je trouve que la... les, les, les participants du carnival j'ai aucun à jeter et tous est les solides ouais, tous oh, les dessous tu le dégages. c'est bon il y a chier c'est est, peut-être c'est sûrement le moins bon je suis d'accord avec toi mais ça n'empêche que il bah, y a quun qui est un peu moins bon que les autres Sinon tout ah bah le déjà, reste ça change De zéro ça devient un. Oui d'accord Mais je veux dire <laughs> moi, il, moi il me dérange pas Yoshitatsu Je trouve oh. Il fait des 3 3,5 Il a fait certains bons matchs Contre entre autres Kento Et tout ça Et là je me dis que Bon quand on voit sa poule Il y a moyen de faire des bons matchs quoi. Bon après Moi ce qui me fait peur Parce que là encore J'ai pas fait la vidéo Je, je sais pas sûr Que je fasse une vidéo euh, Comme ce que j'avais fait Tu peux te dire prochaine. les dates Comme ça tu ouais, sauras euh, C'est du 9 avril Au 29 avril Pour la, les poules Ok donc t'as jusqu'au 9 avril pour voir si je verrai si j'ai le temps d'en faire une vidéo mais en tout cas moi je trouve que les noms sont cool donc je vais les lire parce que j'ai toujours pas dit donc dans le bloc or on a Shuji Shikawa Shotaro Ashino qui est champion par équipe Shuji Shikawa qui a un match pour le titre Triple Crown ce lundi contre Kento Miyara peut-être qu'il sera champion peut-être pas Ryuki Honda Shigeru Irie Tiok et Jack Lee qui est l'ancien gagnant ce qui est intéressant dans ce bloc, c'est clairement qu'on a Ryuki Honda et Jack Lee dans le même groupe. Oui, euh, ce que je me suis dit aussi. Il y a ça toute l'histoire, Total ouais. Eclipse, tout ça. Également, on a Erié et Tiok. C'est intéressant histoire, ouais. aussi, via Strong Earth. Euh, et bah, Shotaro Ashino, euh, Ishikawa. Franchement, ce groupe-là, j'ai aucun que j'aime pas. Tu vois, dans l'autre, je te dis, il y a Yoshitatsu qui est... oui, il est moins bon. Mais franchement, là, je pense que ce bloc-là te plaît plus que le bloc B, Max. Oui. Totalement. Ah, totalement, oui et non, parce que dans le bloc B il y en a un qui je suis content de voir et que je veux voir un peu les ouais. confrontations. On en parlera après, je dis pas mmh. tout de suite. Mais euh, oui, après, franchement, tu me mets un gadget là-dedans et tu m'enlèves, tu vas me dire non, c'est pas possible. T'enlèves en, Ishikawa, moi je suis content. Hein. Oui, mais non. Voilà, t'enlèves ou tu, 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 tu mets pas Ce c'est pas obligatoire d'avoir Irie tu vois. Oui. Même s'il est sympathique. Ah, mais ouais. Si tu mets David Richards à la place je, le... Ouais mais je pense peut, que là il faut, 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 faut pas penser à ça. là de bah, toute façon oui c'est ça oui. Sert à rien. Ah, oui. Maintenant c'est trop tard c'est mais... bon, fait. Hein. Ouais. C'est quand même l'espoir qu'on avait. C'est l'espoir qu'on avait bien sûr mais je veux dire dans que du japonais je m'attendais à moins bien. Euh, oui. Quand tu vois les, les deux années qu'on a eu avant, c'était moins bien sur la carte. Je suis d'accord avec, avec toi. Après il faut avouer... Euh, pour une compagnie euh, qu'on qu dit souvent qui ne se renouvelle pas forcément, là il y a eu du, un peu de renouvellement avec Ryuki Honda, euh, Irie, je ne crois pas qu'il soit là l'année dernière, euh, j'ai un doute. J'ai un doute, ouais. ouais Tio, qui, euh, non, il n'y était pas. Non, Tio n'y était pas, et, ah, non, Tio, euh, donc, donc, donc on a trois, quand même, trois nouveaux dans, le, dans, le, entre guillemets, dans les, dans les blocs donc il y a quand même des de changements. Ouais. Et de l'autre côté, bah, on a Kuma, Arashi et Nomura, euh, ouais. est... ouais, Arashi, je crois. Arashi était et ah, ouais. ouais, mais bon, ça reste un jeune, pas... bah ouais. ça reste des, des oui, et puis bah, il, est... il, a, il a pris une évolution dans son booking. Je veux dire, euh, oui, l'année si, dernière, ouais. il était euh... il était quoi déjà? Il était, tous... il, sort... bah, il, il était enfant terrible, non non, non? non, 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 l'année dernière, c'était déjà euh, Total Eclipse. Déjà... Ah, euh... oui, bah oui, c'était le début, ouais, ouais bah c'était le début, non, c'était euh, les six premiers mois, quoi, c'était en fin d'année l'année dernière. Oh, mais ça, c'est attends non, c'était cas... au mois d'avril. Ah non, c'est oui, oui. l'année, oui, oui, bah non, bah en fait, non, il n'y avait pas. Ah, si, c'était le tout début, le tout début, ouais, c'était le, le début, début. ça s'est fait début. là, je crois. T'as raison, ça s'est fait raison. juste avant les blocs. Ouais, t'as raison. L'année dernière, il y avait Jack Lee, Kento Kentomiara... c'était un seul groupe, oui, Kento Miyara, Yuma Oyagi, Koe Sato, Zeus, ouais. Ishikawa, Suwama Ashino, Otani et Kojidoi. Ouais, c'est un peu équivalent en fait. C'était un groupe de 10 déjà. Ouais, donc, mais je euh, préfère ce format-là. Deux... Moi aussi je préfère. Ouais, je ouais, préfère blocs, toujours les... les... Ouais, quand ouais. il y a deux blocs aussi. Ouais. Parce qu'un bloc c'est chiant si tu veux faire une finale derrière, c'est quelqu'un que tu as déjà rencontré. Ouais. C'est moins ouais, sympa. Ouais. Ouais. Euh, Donc voilà. Et dans le bloc B, donc Hara, Suama Yuma Oyagi, Yoshitatsu, Kumarashi, Takuya, Nomura. Comme tu l'as dit euh, Max, toi c'est euh, Nomura que tu es content de voir. Euh... Ça c ça. plus ça. accessible on va dire voilà c'est ça oui et puis avoir des confrontations qu'on a si pas si dans l'idée il rejoint le Japon on sera content parce que bon au moins on pourra le voir quoi <laughs> oui ouais. c'est sûr c'est sûr mais j'ai envie de voir Nomura Kento notamment j'ai envie de voir ouais. Nomura Yuma notamment ouais. Arashi aussi ça va être pas mal Yoshitatsu et ça m'intéresse moi mm. forcément ouais ouais c'est bah, sûr que je vais pas te demander de regarder euh, Suama euh, Yoshitatsu quoi non non mais par contre <laughs> je vais... Je dis pas que je regarderai tout le tournoi. Ouais, y a peu de chance, mais je vais regarder pas mal. Ouais. Ouais. Pas bah, mal de euh, moi, sur les Parce affiches, que je, déjà, j'aime les tournois. Déjà. Moi, je sais pas pour toi, Fab, mais moi, sur les affiches qui me donnent envie, euh, bon, bien sûr, la, la confrontation Honda Lee m'intéresse, moi, au point de vue euh, du, storytelling. Euh, du storytelling, ouais, bien sûr. Euh, Ashino contre euh, Irie, Tio, que ça peut être bien cool aussi. Mm. Euh, Ishikawa, moi, ça m'a, moi, j'aime beaucoup. Après, dans le bloc B, oui, c'est un peu moins fort, mais bon, voilà, Nomura contre n'importe qui m'intéresse. Euh, et puis je me dis que, bon, Nomura Kento, euh, sur le papier, ça peut être un match très très bon. Après, j'ai quand même une grosse crainte sur le Booking. On sait qu'ils sont capables de nous faire de la chiasse ils sont capables de nous faire des squash bizarres, un truc de, de chelou. Donc j'ai une hype, mais je ne me la mets pas très haute parce que j'ai plus trop confiance des fois avec, avec ce qu'ils font, quoi. Donc mmh, euh, voilà. La... Ouais, c'est ça. Les, les affiches, euh, les potentielles affiches sont intéressantes. Mmh. Hormis Yoshitatsu, je suis assez d'accord, et Souma en dessous pour moi, je suis assez d'accord avec Max. Les confrontations sont intéressantes. Après, voilà, il faut faire attention au Booking, Nomura, euh, on n'est pas à l'abri qu'ils servent de faire valoir. Ouais, j'espère pas, mais. Une catastrophe s'ils si font ça, putain. Mais ça, pour... Après, ça peut, t'as il ça... raison. Hein. Les... raison. Ils, respectent... ils respectent les invités, généralement, chez JP Oui. C'est quand même une chose. Ils sont quand même plutôt respectés. Ils vont pas forcément gagner, mais ça. Par exemple, je vous le dis, ça se peut que Nomura bat Kento pour aller chercher le titre à un match point. Pour pour empêcher Kento d'avoir d'avoir des blocs. Par exemple. Oui, c'est quelqu'un qui. Ça se peut. Je te dis pourquoi ça se peut parce que avant c'était Abdullah Kobayashi qui était là pour avoir du renouveau et pourquoi pas continuer la feud un peu BJ Dub All Japan avec un Nomura, tu vois. Dans l'idée, ça vous plaît plus, j'imagine. Ah bah c'est sûr, <laughs> c'est sûr. Non moi Après, ça. J'imagine me... que toi tu vas pas faire tes prédictions. Non 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 moi je vais au pas dire gardé, à, ouais, ouais, gardé je vais garder ouais je ça. Au pire je la ferai en hein, en formant un peu podcast mais je, je la ouais. ferai quoi qu'il arrive. Ouais. Donc euh, bah ouais. vas-y euh, dis ce que t'en penses. Moi je vois bien Yuma euh, dans le bloc B. Je vois bien Yuma dans le bloc B et dans le bloc A ah, c'est plus dur par contre. Est-ce qu'ils vont repartir sur Jack Lee tout de suite? Bah, je bon dirais vrai, je... Jack Lee, Jack Lee Yuma en finale. Après, il ouais. faut choisir par contre. Ouais, ouais Jack Lee, hein. moi, pour moi, ça me paraît évident que Jack Lee. Euh... Bah On moi je te dis, moi je te Retourbe dis, sans, sans dire qui joue à gagner. Moi, pour moi, Jack Jekly, quoi qu'il arrive, même s'il n'avait pas eu cette blessure, il serait plus champion déjà. Là. Ah ouais? Bah Kento ouais, aurait repris le titre quoi qu'il arrive, je pense. Mais du coup, il n'y a pas eu le Kento, euh, Jekly de... qui était prévu. Non. On est d'accord Non. Ouais. Euh, bah donc, si, euh, fait fait, euh, gagner bah, faire gagner le Jack Lee pour faire le Kento Jack Lee pour paraître logique. Quoi. En gros, pour moi, l'histoire c'était clairement. Donc, il y avait la, la défense euh, victorieuse de, de, de Jack Lee sur Abdullah, ce qui aurait dû avoir en début janvier. Mmh. <laughs> Et donc, là, le gros show c'est Champions Night 3. Et si je dis bat à vérifier, mais je crois que la nuit 1, la Champions Night 1, Champions Night 2. Sur la 2, c'est sûr, c'est le time limit d'oro. Je crois que c'est à chaque fois Kento Jack Parce que la 1, c'est la... le match annulé de Sumama et Jack je crois. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est le, la, la le Covid annulé. c'est la Covid, du coup, <laughs> Jack Lee affronte euh, Yuma et ça, le Covid annulé. Ah ouais <rire> <rire> Merci Vendus Fab, Docteur Raoul. <laughs> <Non, derrière, derrière. rire> Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu, lui Docteur Raoul. <laughs> oui, t'as raison, c'était le, le Golden Match là, le, ouais. le tobeo Battle là. Donc euh, oui, effectivement. Ouais. Donc c'est et euh, et puis euh, bah, c'est leur plus gros show actuellement, euh, le Champions Night parce que c'est la plus grande salle qu'ils font à chaque fois. Euh, ouais. et voilà, moi sur le papier, ça devait être la grosse victoire enfin de Kento pour le titre sur Jack Lee. Après le Tanlimidro, le fait qu'il a perdu le Tobeo Battle, ça faisait du sens qu'il y aurait ce match-là et c'est pour ça, pour moi, Kento aurait pris le titre à ce moment-là. Euh, là, on n'a pas ça, on a Kento contre Shikawa euh, Logiquement, je pense que Kento va conserver euh, lundi prochain. Oui, euh, mais... Je pense que Kento, Kento, sera champion et pourquoi pas avoir, comme tu dis, enfin cette victoire de Yuma sur Kento, par exemple. Ça voilà, peut être Yuma puis, qui fait perdre Kento par contre, qui, fait, qui empêche Kento de, de ça, passer au final et Yuma, Yuma Jekli en finale Jekli gagne et comme ça on a le Jekli Kento qui était prévu et Kento conserve mmh. sur mmh. Jekli après le tournoi. Pourquoi pas, pourquoi Moi pas Je partirai là-dessus. Ouais. Ok, Fab. Ouais, t'as les l'hypothèse de Max, c'est bien. C'est Max, ouais. C'est vrai que ça fait longtemps que c'est pas vu. Mais... <laughs> bah, J'ai dit Max. <rire> <rire> tu l'as pas laissé dire en même temps. il ouais. l'hypothèse de c'est Max. Oh, mais c'est bon, calme-toi. <laughs> Euh, non, 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 ça, ça pourrait être très bien. Ouais. Jack Lee euh, gagne sur Yuma. Euh, on suit Kento conserve et là, on continue. Et Yuma revient à la charge euh, parce qu'il a rabattu dans, le, dans les blocs euh, Kento. Et Yuma revient à la charge et il devient champion. Oh. Bah, je pense aussi. moi pour moi, bien. Pour... J'aimerais vraiment Yuma... que Yuma devienne champion. Quoi. Pour moi, c'est Yuma qui le prend à Kento. Ce mmh. serait cool, quoi. Mais ça, 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 ça peut être ça aussi. Hein. Ouais, ouais. moi. Mmh. Ok très bien pour ce euh, Champions Carnival un tournoi qui arrive euh, comme s'il n'y avait pas assez de catch en ce moment. Hein. Je vous le rappelle on a on, ça a, après a, avril, euh, on après a le, le mois d'avril ça va peut-être se calmer ouais. <laughs> Non, ils sont au BioFight Festival qui arrive à non, au, mois juin, au mois de juin. C'est au mois de juin. Ça hein. Mais non, mais là, c'est le mois d'avril. Le mois d'avril, tu dis, ça va se calmer. Aux États-Unis, il y a quoi au mois d'avril Bah non, mais c'est début avril. Là, <laughs> oui, mais... du 9 ça au 29. sera après déjà, ça. D'accord. Ce ouais, Dans cette période-là, je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'autres choses. Tu vois. Je ne suis pas sûr qu'à NJP, il y aura beaucoup de choses. Dans notamment... l'anniversaire des 50 ans On a déjà fait ça, les années 50 ans. <laughs> Non mais euh, pas, euh, pas les 50 ans, le truc du Japon l'anniversaire du Ah oui. Oui. Le trouve anniversaire là euh, avec Jp, je sais pas si ça Ah a une non, c'est en septembre, c'est en septembre. en septembre. Ouais. Ouais, les... Les 60 ans donc du non, il y aura quoi, il y c'est quoi donc Taku Je sais pas, je sais pas ce qui aura Ouais, ça peut être, canner, ouais, ouais. Peut -être ouais, ça Ouais, peut-être. NJP ça va être non, calme. Oui, parce que juste pour vous rappeler les gars, j'ai promis, on va le faire. Il y a le card gold à mater. Ah oui ouais bah ouais faut qu'on Ah bah ouais ouais ah ouais, ouais, ouais c'est ouais, vrai. On va mater la première journée, faut mater la 2 et la 3. <laughs> <laughs> ça ambition, va. ça euh... va arriver à moi après. Euh... C'est comme ouais, le VG, il euh... faut prendre son temps. Voilà. Je ne vais <laughs> pas spoiler qui est le vainqueur, hein, il y en a qui ne le sauraient pas encore, ce que je ne crois pas. Ouais. Euh, de VXV, mais il va rencontrer AB. Oui. Euh, aujourd'hui, je crois. J'ai vu. J'ai vu, effectivement. Je crois que c'est ouais. aujourd'hui. Ouais, ça peut être pas mal sur le papier. Effectivement, bah je lui en parlerai euh, parce que oui, euh, le champion VXV Allemagne sera à Pouane. Ouais, ouais, ils vont <laughs> venir des stars allemandes non, non <laughs> maintenant. Incroyable. Euh, Pop-off. <laughs> C'est bah oui. Je vais pas spoiler ta vidéo, excuse-moi. Bah non, bah non, bah non. Bon, en tout cas, on va enchaîner avec Noah Great Voyage in Yokohama. Euh, on était le 13 euh, mars 2022, on était à Yokohama Kanagawa, Japan, au Yokohama Budokan, il y avait 905 personnes, euh, ça paraissait du monde mais sans plus, hein. c'était ouais, euh, euh... euh, vachement vide hein, pour la salle, ils ont vu grand je pense dans la salle. Ouais. Mais le catch n'est ouais. pas en bonne, enfin euh, c'est pas l'audience du catch au Japon, alors bon il y a encore les restrictions. Hein. Euh, on pensait que non, mais des fois oui, des fois non. Je comprends rien. J'ai pas envie de comprendre. Après, c'est une... une carte moyenne. On va pas se mentir, il n'y a pas le match de championnat du monde. C'est pas, une... pas un méga show. Je pense. Enfin, c'est un gros, un bon show, mais c'est pas un méga show comme un. Oui. T'as ou... raison. T'as oui. raison. C'est ça. Ouais. Après, c'était quand même un show important dans le sens que les champions par équipe chez Noah c'est pas rien non plus. Il y avait le retour de Hidiki Suzuki, qui est quelqu'un d'aimé euh, quand même chez Noah. Euh, bon, c'était. Oui, c'était un, un. Mais quand t'as pas le champion, du, mois, champion du monde en main event, c'est C'était un show mon... un peu plus Un peu plus majeur qu'un show mineur, on va dire. C'était un, voilà, voilà. un show médium. Voilà. Euh, donc, toi, Max, tu n'as rien vu sur Noah Non, non, parce que, bah, comme, comme vous dites, hein, moi, ça m'a pas chauffé. Ouais. La carte m'a mmh. pas donné envie. Donc, euh, je suis passé à côté. J'avais toute la New Japan Cup à mater. Ouais. Donc. Euh... Sûr. Ça déjà pas mal. Ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, donc Fab, toi, qu'est-ce que tu as vu du show ouais, J'ai vu une bonne partie à part euh, trois matchs en plein milieu qui ne m'intéressaient pas. Les du matchs de tag là. Match de tag et, et Kotaro, Kotaro Yoway. Euh, Yoway. qui, qui avait l'air. Euh, ouais. J'aime bien Kotaro mais Yoway, je m'intéresse pas. Ouais, ouais. Non, non. Mais moi, moi j'ai passé ce match-là aussi. Je, je, je vous l'avoue. Euh, donc du coup, bah, le premier match, je l'ai pas vu. Mais tu l'as regardé, du coup euh, sur le papier, ça me donne envie parce que c'est des jeunes l'un contre l'autre, donc au moins il y a un jeune qui va gagner. Euh, Junta Miyawaki oh, oh, oh. contre. Oh, chez le... <laughs> c'est match nul. c'est Chez NJB, c'est Talmud Draw. Ils ont fait un peu plus de 10 minutes, ils ont fait 10 minutes 20. Ah bah euh, c'est ça aussi. Junta aussi, Miyawaki contre Kinya Okada. C'est une victoire de Runta Miyawaki ouais. en 10 minutes 24. C'est ça, euh, Runta qui gagne un très très bon match. Enfin, très bon, un bon match. On ne va pas commencer dans l'exagération. Il monte un <laughs> bon... bon, <rire> sens. <rire> ouais, mais attends, laisse-le. Ça fait deux semaines qu'il n'a pas fait d'émission. Voilà. laisse lui dire très bon s'il si ouais, euh, a envie. Magnifique, problème. incroyable. Et ouais. bon match, 3-25. ça. <laughs> <C 'est rire> <3, 25. rire> mais ça, c'est ma spécialité. En plus de dire ça, c'est pareil. Femme, non, mais pour pareil. un opponent, c'est intéressant. Ouais. Ah, très bon. Ouais. Euh, Trop... Le match est vraiment pas mal. Euh, ça travaille beaucoup les... les bras du côté de Miy... Miyawaki. Euh, J'ai été surpris que Kenya Okada perde parce que pour moi, Okada c'est on va dire c'est le... numéro un des jeunes des 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 des, 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 des Young Nayon entre guillemets de Noah. Ouais, pour okay. Moi, Kenya Okada c'est le plus c'est le, Ce en... le plus en avant en tout cas. Oui. Voilà, et euh... bah non, bah il va perdre. Il perd sur, la... <laughs> sur une je sais pas ouais. pourquoi tu rigoles. Mais... <rire> <rire> Bah, C'est un des jeunes euh, qui, qui donne envie de voir sa carrière, donc il perd. Il va fait. perdre. Voilà. <laughs> voilà. et est jeune, il a 29 ans. Oui, mais, ouais, mais euh, bah, pour je... chez nous. Euh... C'est très jeune. Ah, sérieux, hein. moi, ça. <laughs> je suis con aussi. Ah oui, Max, quand même. C'est pas à toi qu'on. tu vas pas te faire avoir comme ça, quand même. Ah, j'ai toujours un espoir, sûrement. <laughs> il faut plus en avoir, là. <rire> <rire> moi, j'en ai eu aussi hein, pendant le tournoi Tag. Quand j'ai vu le premier tour, je fais Ah! Ah, tiens, non! Moi aussi, moi aussi, je me suis fait avoir. Ah, ben bah, j'ai vite été ouais, refroidi. <laughs> euh, D'ailleurs, Kinyo Okada, enfin, petite histoire, est toujours euh, annoncée à 103 kilos. Il euh, faudra qu'on en parle parce qu'il est absolument pas à 103 kilos. Ouais. Profond, On arrête de nous prendre pour des cons. <laughs> ouais, c'est vrai. On euh, est très loin. Euh, et Runta qui gagne, en fait, sur. Euh, j'ai pas le nom, j'ai cherché le nom de la prise, je l'ai pas trouvé. C'est une prise de judo, en fait. Il attrape par le bras et il fait, il fait valser son adversaire au sol. Ok en le prenant par le bras et il finit par un ambar. Et euh, il... c'est vraiment... L'enchaînement, il faut... Apple, le voir, elle, elle moto, un peu à un peu Dans l'idée oui. Ouais dans l'idée, oui. Okay. Si tu veux, ouais Oui, ouais, ouais ouais c'est de lui. Pour hein. mmh. l'instant, il est toujours en... Et, en Uo pose. Uo moto il s'est pris en photo avec euh, Jack Lee. Voilà. Okay. C'est bien. C'est vrai ouais, qu'il avait dit qu'il faisait une pause. Donc... Euh, il fait... Et en fait, il... enfin, là, ça a l'air d'être plus qu'une pause, hein, parce qu'il a... Il a ouvert une salle de sport, euh, de gym et tout, donc euh, il a l'air d'être à fond là-dedans. Ok. Bon, il ouais, lâche un peu. Ouais. Peut-être qu'il reviendra. Hein, S'il si a besoin, ouais, c'est clair. Voilà. Donc, euh, Runta qui gagne. C'est un peu surprenant. J'ai bien aimé le match. Il est vraiment propre à voir. Okay. 10 minutes, c'est très court en chinois. Oui. C'est rare. rare. C'est rare. Donc, euh, non. Euh, bon, euh, très bon opener. Ok. La donc, voilà. euh, directement après, il y avait donc les premières euh, demi-finales euh, pour le tournoi euh, Tag Team. Euh, où il y avait, euh, et donc c'était euh, euh, Daiki Inaba et Kaito Kiyomiya. Ça fait plaisir déjà de voir Inaba un peu plus utilisé, on va dire, que d'habitude. Ouais. Euh, en, en ce moment, il est euh, souvent avec Kaito. C'est un peu la, la nouvelle garde de Noah, hein, qu'ils essayent de mettre en... Enfin, Kaito est là depuis quelques temps maintenant, mais oui. ça reste à 25 ans champion. quand même, la nouvelle garde, et hein, déjà champion, ouais. Il était champion en 22 ans quand même. Ils ont osé hein, quand ouais. ils ont fait ça. Ils se sont dit. Attends après, ils ont fait. Par contre, après, mais Mais que des 50 ans. J'en ai rien à foutre. <laughs> C'est clair. On, On leur a dit donné il était des jeunes il oh. était à la bourre, il n'est pas arrivé à l'heure à la réunion ce jour-là. Ouais, T'es pas con. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait, les gars bon, vous... C'est un enfant, il boit... il boit du lait. Il, il a Coucou. que 22 ans, les mecs, il ne boit pas de la Sapporo. Là. Il... Regardez, il a tous ses os, il n'a pas, de... pas de morceaux de métal dans son corps. Ouais, c'est cool, fait. Comment là. tu peux gagner sans un morceau de métal S'ils que... bah, veulent, moi je connais un catcheur français, euh, je pense que pour, euh, pour Noah, c'est pas mal. Hein. Il s'appelle Popov. Ah oh, Popov. <laughs> Ça peut pas être plus beau avec Mouto. Bah, en vrai, Popov, il a la forme. <laughs> il, il est plus en forme que, que Mouto, hein, Popov. Hein. Ah, c'est vrai qu'on qu a vu s'exciter euh, à ah, ah, Rix. Rix vrai, oui. et... ouais. Bon, par contre, il m'a dit, hein, il ferait pas une heure. Donc, bon, il... ça sera compliqué pour Noah. Ouais. Il a dit 5 minutes, ouais. il est capable de faire 5 minutes. Ouais, mais au moins il connaît ses capacités, quoi. pas comme Muto, <laughs> tu vois, dans l'idée. Bon, après, et, Popov... Et je pense pas a... qu'il va tenter une roue, Popov. Non, non, non. non. Popov, il a 79 ans. Hein. Popov, il te fait euh, pof, 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 Ça, c'est pour et ceux qui doux, ont euh, vu euh, ouais. l'entrevue qui savent pourquoi je dis ça. Euh, donc, <laughs> Daiki et Kaito Kiyomiya euh, contre la M Alliance, enfin ceux qui restent hein, de la M, -M Alliance, parce qu'il n'y a plus Funaki, il n'y a plus Muto. Bah, a... Euh, On peut bah... dire qu'il n'y a plus personne. Hein, il ah, y a Masato hein. Tanaka, Mochizuki, Marufuji. Il voilà. n'y ah, a ouais. plus, hein. des fois un layout, ils ont dit. Ah bon allez, yes, allez, allez, Un layos, y yatus. il faut, une pause. Euh, ah de, ouais donc... Ok, d'accord. J'avais pas vu cette news. Okay. Après oui. la défaite. Oui, bah après c'est un peu logique quand tu vois comment ça s'est fini en plus. Et puis que tout le monde se barre un peu. Ouais, ouais. ouais. Enfin, y a un Et qui, là, est, qui blessé, est blessé. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Hmm. Et donc, euh, du coup, on a eu un match euh, plutôt bon, euh, Fab. Ouais. Euh, ouais. Voilà, c'est tout. Ouais. Ok. Euh... Belle analyse. Moi, je pense que euh, a... <laughs> <non, non. rire> est à fond. Euh... <laughs> Euh, non, non, euh, non, non, très 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 bon match. Euh, on a Amaro Fuji qui sort les doigts, donc tout de suite c'est intéressant. Ouais. Voilà. Mais Shizuki toujours en forme pour ouais. son âge, euh, très propre. Euh, comme... Vu que Max aime bien, euh, je veux dire, un magnifique Inaba dans ce match. Ouais. Euh... C'est vrai, vrai, mais ce mec-là, c'est vrai qu'il est bon quand ah euh... même. Bon. il est complet. C'est vraiment le type de catcheur. Il... Bon, il explosera jamais. Il a déjà 34 ans de toute façon. Il manque mais... de charisme peut-être. Ouais. Je mais pense. Il... Ouais, je pense aussi, hein. il sait mettre en avant ses adversaires et il sait mmh. te proposer de bons matchs en mid quoi. C'est sa place, en fait. Ouais. Tout simplement. Et avec Kaito, Kei... avec euh, ça, ça marche ça, bien. Ça fonctionne, ouais. Mmh. Ce serait intéressant que ça dure. Ça ne va pas durer, spoiler. Euh... <laughs> C'est sûr qu'ils vont l'abandonner. Même euh... ah, si La tu enlèves tous les espoirs qu'on a aussi. Euh... Bah non, mais bon. <laughs> On n'en avait pas. Euh, donc ça. <laughs> Ça ne durera pas. Euh, Kiyomiya, c'était qui Son dernier partenaire, c'était. Euh... Kaito euh, Kenno, avait... au final Non Non, il avait eu. Euh, mince, comment il s'appelle Inamura euh... Oui, voilà, Inamura qui s'est blessé. Et il avait eu. Euh... Ah, j'oublie son nom. Euh, L'autre Masaki Tamia. Euh... Merci, voilà. <laughs> tu vois, tu dis, serpillère tout de suite. C'est vrai qu'il a. Oui, bah, au niveau serpillère, lui, <laughs> t'es pas mal quand même. <laughs> ouais. bon, c'est une serpillère quand même qui a des chances pour le titre. Je vois pas ce que je dire. C'est une serpillère oui, de luxe, on appelle ça. C'était que mais... contre Nakajima qui gagnait. On appelle ça un balai. C'est bon, du storytelling, mec voilà. Tu comprends Non, c'est de la merde. <laughs> c'est un balai brosse. Euh... Il est un peu plus haut que les autres. Il a des chances pour le titre. Euh... Donc, non, un match très efficace. Euh, d'aki Inaba qui gagne sur un roll-up ouais. hein, de Mema sur, ouais, un... Ça. sur un sur, sur Marufuji. Ah, ouais, en plus, c'est lui qui prend, ouais, qui fait le pin c'est pas Kaito. Non, ouais. non, c'est Inaba qui gagne sur Marufuji, donc cool. Bon, sur un roll-up, mais quand même bien. Ouais. Donc on, on comprend aussi la déception de Marufuji qui du coup ils ont arrêté, énervé ouais, un peu. Ouais, c'est ouais. lui qui perd, et il s'énerve ouais. sur tout le monde. Il était vénère. Ouais. ouais. Mais euh, mais on verra que bon, euh, pareil, les, les équipes ils étaient, euh, c'était du sérieux quoi, ils voulaient gagner tous. Et mmh. Ça se sentait, je trouve. On en reparlera dans la deuxième demi-finale. Pareil, Encore euh... heureux, non oui, non, mais ce que je veux dire, c'est ouais, que, demi finale d'un petit tour tournant, non, non, mais il y a, y a de la frustration. On sent que c'est important. Sur les ouais. Ouais. On sent que c'est important parce que tu sais, ouais. ça peut arriver. Le mec qui perd un match de championnat, bon, bah c'est pas grave, on a perdu, on reviendra plus fort. Là, on sent qu'il y a comme une, comme un problème quoi. Ça... Okay. Il... il comptait vraiment sur la victoire, tous. Et, euh, ouais. et moi j'ai trouvé le match bien cool, j'ai pas mis de notes parce que je l'ai vu en faisant autre chose et tout ça. Je sais pas combien t'as mis toi, comme ça On je suis... dirais 375, 3,5. Voilà. Ouais. 375 Ouais, faut m'y pas. J'essayais de faire passer pas discrètement mais bon. <laughs> ça me fait penser quand vous avez fait en hein, l'élite euh, que vous deux, il y a quelqu'un dans les commentaires qui a Vous n'avez pas eu problème de son mais des problèmes gastriques en fin d'émission. <laughs> Ah non. Ouais ça arrive, hein, c'est Des fois grave, ça remonte hein. Bah oui, bah, ça, ça arrive. Sors ouais. sort de, de table. <laughs> bah, oui, ah. ça. Non mais ça me fait rire que j'avais vu ce commentaire, je suis C'est bâtard mais c'est drôle quand même. <laughs> Ça aurait... Si ça avait été à moi, j'aurais fait putain, mais quel connard le mec! Il Bon, là, c'était pour vous deux. Et les autres, c'est drôle. <rire> <Voilà>. <rire> là, comment ça marche? La <laughs> mentalité, c'est comme... Bah, oh, ouais. euh, comme ça que ça marche. Hein. <laughs> non, mais voilà, bon c'était une première demi-finale plutôt sympa. J'ai été quand même assez surpris de la victoire de Inaba. Euh, et j'ai eu de l'espoir suite à ça. Ouais. Voilà. Après, on a on la rev... clim, ah, mais après, bah, voilà. <laughs> La deuxième demi-finale, c'était le retour de Hideki Suzuki du côté de Chenoa après son excursion du côté de chez NXT. <laughs> voilà, on peut dire ça comme ça. Hein. Excursion en tant que coach. Euh... Ouais, ouais. Bah, on, on l'a vu, euh, vu, faire comme ça. Hein. Voilà. Ah, assez... payé pour faire ça bah, fait, pendant six mois. Ça, ça c'est bien <laughs> pour ah, Parce le... qu'il était payé en plus. Ah, bah, bien oh, bah, sûr. A priori. Hein. Ça c'est bien. Ce qu'on a fait Fab, c'est très bien pour ceux qui écoutent podcast, ouais, en podcast. En ouais, podcast. Ça c'est. Ouais. On a voilà, mis les, 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 les bras sous les aisselles. Ouais. J'avais un voisin qui faisait ça tout le temps, on l'appelait Pudema oh euh, bon. <laughs> C'est des blagues de lieu, ça. Elle disait ouais. ouais. tu euh, Bon, voilà, je vais voir mon collègue pop-off. Euh, bon, on boit du café avec euh, un petit cacau-fruit. Enfin, j'étais bien. Hein. Voilà. voilà. Merci à vous, hein. grâce à vous je peux faire ces entrevues. Donc, oh, grâce et à le vous le de 10 ans à chaque fois. Non, oui. Grâce à vous j'ai du café, hein. moi je suis content. Ça euh, donc... fait des kilomètres pour avoir ton café quand même. Oui, oui. J'suis pas faut ouais. que ce soit rentable. Hein. Ah, je me suis fait flasher au retour en plus. Il a, joué. Il a bu trop de café justement. Mais non, non, ah. mais il y avait une route à 80, normalement elle était à 70. J'ai pas fait gaffe, j'ai roulé à 80 et puis gros, à moment je vois le flash blanc, ça me en fait chier. Bon. j'ai envoyé la facture à Popov mais bon, je pense pas que j'aurai des, des réponses ce euh, Gun donc Hideki Suzuki et Takashi Sugiura contre le Congo Keno et Masakatsu Funaki euh, on a eu un, un bon match vraiment dans le style shoot quand c'était Hideki Suzuki qui était, qui était sur le ring contre Masakatsu Funaki entre autres. Euh, C'était vraiment très très bon. On sent que les mecs sont hyper à l'aise là-dedans. De toute façon, ça, il a aucune surprise. Euh, J'attendais Idiqui Suzuki sur sa technique. C'est ce qu'on a eu tout le long du match. Avec un côté strong avec Suguria et Keno. Euh, le match est un peu mieux que le match d'avant, je pense. Euh, J'aime mmh. beaucoup le... Je suis à 3,75. Mais toi, dans l'idée, je mettais 3,5 tête l'autre avant. Bon, voilà. Euh, mais je suis pas loin du 4 en vrai Parce que je trouve que le match est vraiment cool euh, J'aime beaucoup les enchaînements de fin Ça se met bien dans la gueule, mélange de techniques Et tout ça c'est vraiment cool Et puis euh, victoire de Suzuki euh, sur une Dragon Suplex euh, Sur Funaki Et donc euh, bah, Suzuki Qui dès son retour fait le tomber Contre le champion euh, euh, oh. euh, Le champion, champion National euh, ouais. donc, euh, donc voilà Et je vais te laisser dire ce que tu as pensé Mais juste avant euh, Fab euh, Keno est totalement vénère après le combat. Il en veut oh. totalement à Funaki. On sent qu'il y a déjà un petit, un petit ouais. problème. Enfin, voilà, la, la défaite a pas plu quoi. Après, bon, ouais. il veut gagner donc c'est normal. Mais j'ai ouais, trouvé le, que ça. la réaction un peu, il était énervé. Donc, oh. c'est pas dit que Funaki reste indéfiniment chez Congo. Hein. On verra, mais bon, alors, ça, on sait que ça va vite. On oh. s'y attendait. Quand il arrivait, est arrivé, on s'est dit il y a quand même trois têtes là, ça fait beaucoup. Ouais, ouais, voilà. ouais. Donc on verra ce que ça va donner, mais ça m'intéresse. Mais en tout cas, c'était <laughs> vraiment un, 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 deux bonnes demi-finales. Je conseille les deux, mais j'ai plus de préférence pour celle-ci. Voilà. Enfin, ouais, ouais, faut, ça c'est similaire, même oui. si les matchs sont différents. Euh, bah, en fait, on a deux styles complètement différents euh, sur les deux demi-finales. C'est ça qui est intéressant. On est très shoot style. Donc euh, il faut aimer, c'est vraiment quelque chose à part, en façon c'est Funaki. Suzuki euh, on connaissait un peu mais pas trop personnellement. Bah, moi je connaissais bien donc je savais à quoi m'attendre mmh. mais toi tu l'as euh, jamais mais... vu. Je l'ai déjà vu mais euh, j'ai vu des matchs du passé vraiment euh, beaucoup plus. Vieux, ah bah, si vous n'aimez pas les, les prises au sol et tout vous n'allez pas aimer, hein, ça c'est clair, mmh. hein. on est là dedans, hein. on est totalement là dedans. Mais oui, ouais, bien... Euh... Bien agressif, on sent que bon ouais, physiquement il est il, fait... il, a mal, hein. il a mal il a des problèmes aux jambes quand même, Suzuki, je sais ouais. pas si ça va durer longtemps. Physiquement, je sais pas s'il va réussir à tenir la cadence. Bon en tout cas il a fait un match intéressant. Vu les mecs que tu as dans ton roster, ça va quoi t'es frais bah, quand ça Ouais, mais bon, quand t'as les genoux en braque. Ouais mais aussi c'est pour faire. De on... 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 toute façon, après euh... le... donc euh... ça a été annoncé, je sais plus pourquoi le fan catch je crois, un truc comme ça. Il euh, y aura mmh. Funaki contre Hideki Suzuki pour le team national. Ce match-là, mmh. si vous aimez pas le sol, allez, allez pas le voir parce que ça va être que ça. Oh, hein. Ça va être ça. Ouais. Ça va être que vrai, ça. Ça va peut-être On... pas durer longtemps. C'est ce que j'allais dire, ça sera pas long par contre. Ouais, Funaki n'est pas capable de tenir longtemps. Ouais, ça, va être ça, 10 sera, minutes, ça sera 10 mais... minutes maximum. Ouais. 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 Mais euh, moi, ça, ça me tente. Hein. Moi, j'ai hâte de voir ce match-là. Hein. Oh, oui, j'ai envie de le voir aussi. C'est intéressant. Deux... Moi, vu que je pense que ce sera pas trop long, oui. Je t'avoue, un match comme ça de 20-25 minutes, ça, me... ça sera chiant. Ouais. Mais un match de 10 minutes intense, ouais. après, c'est pas bon, que bon. des restalls avec c'est oui, vraiment de la technique sûr, pure sûr. au et sol. Du shoot, euh, et, et malgré et tout, tout. Euh, je sais que même Bloodsport, ce genre de ouais. choses, euh, c'est bien parce que c'est pas très long. Okay. Ça serait long, les matchs, je, je pense que ça me. Ouais, bah après, c'est le but. Il faut que ce soit des matchs courts. Euh... Les enchaînements sont intéressants. Aussi, ouais. Les enchaînements de soumission sont vraiment propres. Ouais. Bah, oui. Il est vraiment cool le match. Euh, bah ouais, bon, après, Suzuki qui arrive, bah, chance pour le titre direct. Pourquoi pas, après voilà. Mais euh, oui, comme tu parles, la, la frustration derrière la fin de Keno. Keno qui, qui monte tout de suite sur le ring, qui regarde euh, Funaki un peu Désespéré, déçu. Ouais, déçu, ouais. déçu, déçu, qui, qui essaie de comprendre, qui lève les mains, qui fait, il comment, fait comment ça se fait que tu as perdu. Ouais. Et qu'il ab qu abandonne sur le ring, hein. clairement, ouais, ouais, il s'en ouais. va. Il, il part seul. Il se ouais. tire. Il se tire Kano énervé. Mm. Et il laisse euh, au milieu du ring Funaki qui rentre tout seul de son ouais. côté. Donc on aura euh, cette euh, finale là. Donc euh, Inaba et Kaito Kiyomiya contre le Sugi est Hideki Suzuki, Takashi Sugioria, mais deux demi-finales plutôt sympas. Euh, ouais. Dans des styles pas trop similaires, hein, un peu différents non, les, que les deux. Donc, euh, et vu des... qu'on avait Suzuki qui fait le pin sur Funaki et qu'on a compris que tout de suite qu'il allait avoir une chance pour le titre. Ouais. On s'est dit la finale ah. elle est toute faite. Bah ce oui, que je me suis dit, il bon y a des les j'étais content, Il y a des jeunes, il ouais. y a déjà quelqu'un qui aura une chance pour le titre, ils vont pas en plus vrai. de ça lui bah donner non. Euh, non, les titres par équipe quoi, faut pas exagérer. <laughs> Surtout que c'est son retour quoi. Donc, bon. Ouais ouais on s'est dit voilà c'est bon voilà c'est cool on fait son retour la, la, la story est pliée et tout le monde est content ouais, les ouais. jeunes vont être champions pas. et tout ça ça c'est... Ouais, j'étais déjà hypé, je fais Inaba qui va avoir un titre, et il le mérite. Ouais. Ouais. Bah moi j'étais hypé jusqu'à que j'ai vu ton tweet. <laughs> Après je vais ah merde. <rire> <rire> Mais c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Quand on va sur Twitter, ouais. on, on ouais. prend les risques. Il euh, y a eu donc, des matchs euh, par équipe, euh, victoire de Congo contre, euh, donc avec euh, Oara, Nio et Tadasuke contre Stinger, Ayata Ogawa et en plus il y avait Yasutaka Yano, victoire en 12 minutes 58. Los Perros del Mal des ont Ikuto, Hidaka, Nozawarongai et Super Crazy ont gagné contre Alejandro, Atsuki Koto, Kotoge et Ao. Euh, Kotaro Suzuki a gagné contre Yohei et donc le match d'après qui nous intéressait c'était Go Shizaki contre Manabu Soya. Victoire de Goshosaki en 17 minutes 6. On a eu un très bon match de N1. Euh, ouais. Match très solide, euh, physique. Un poil lent peut-être, mais dans le style Noah, on va dire dans le rythme Noah habituel. Euh, encore une fois, je crois qu'il y a un putain de selling euh, de quelque chose. Je ne sais plus si c'est le bras, je crois, euh, qu'il vend. Euh, mais il vend quelque chose, mais je sais plus quoi. Euh, ouais, popcorn. Et je crois qu'ils vend genre, je crois que mana Manabusoya Soya l'attaque le bras souvent, comme ça. Ah oh, je, je euh, reste oui, à oui, près, hein. Ouais je vois ça. Oh, je suis imperturbable. Ouais. <laughs> Ouf ça. Je ouais, j'ai pas, de... <laughs> pas euh, ce souvenir de. Moi je sais pas, pour moi pour que 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 ça, soit, il est part. fantastique de toute façon donc. Euh... Mais. Ah oui oui. Mais, mais... ouais c'est un match bien strong c'est vraiment. Ouais. Cool, hein. Mais c'est ça et puis mana... excuse-moi, mais Manabusoya, il... 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 Bah, il... il répond bien go. Après, on sent que derrière, bon, c'était logique que Go gagne parce qu'on sent qu'ils oui. sont en train de le remettre. On, on va en reparler. Mais il a un match contre Nakajima, je ne sais plus comment, là. 23. Euh, le 23. Le ouais. 23. Donc, bon, sur le papier, voilà. Euh, mais Avant, euh... il a un match contre Moshizuki le 21. Oui, oui, donc euh, ils sont en train de, de le remettre aussi en forme. Hein. Ouais. Il recommence ce qu'il a échoué. Go, c'est étonnant de l'avoir contre Nakajima le 23. Comme ouais. ça. En plus, bon. c'est le, le retour de, de Nakajima depuis sa défaite. Hein. Euh, non, non, il a des matchs avant. mais euh... Oui, mais en tag, je veux dire. Ah oui, oui, il a des matchs en tag, oui. Ouais, ouais. Ouais. Mais, euh, mais voilà, ouais. ouais. Euh, Excuse-moi, je t'ai recoupé, désolé. <laughs> euh, non, non, mais après, voilà, non. Euh, un match typiquement noir Bien strong, euh, des, euh, des grosses chops, euh, c'est vraiment propre. Je hein. suis il est incroyable. Chaque qu'il arrive sur un ring, euh, c'est génial. Et Soya, et il a du répondant. Ouais. Et là, il y a ce qu'il faut, c'est vraiment typiquement le catcher mid-card qui c'est qui s'est monté efficace. très efficace, qui est toujours propre dans ce qu'il fait. Mm. Euh, ouais, je suis bien à 4,25 sur ce match. Hein, oh, je ne suis pas à ce point-là, mais je suis à 3,75. Okay. Euh, mais euh, ça reste un, un vrai bon match. Hein. Go est vraiment costaud, rien à dire. Mais je... moi, j'ai vraiment trouvé le match vraiment un bon match de N1. C'est vraiment le, la, ouais, le, ouais, la définition quoi. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Match On continue sur euh, Go. Euh... Euh, qui va remonter en puissance à mon avis il va, bah, il va battre Nakajima pour se relancer ouais, il ou va battre Shizu... ou surtout oui ouais. déjà, bon, bah, déjà. c'est une formalité après je Nakajima t'es sûr c'est son retour bah, je, pense qu qu -ce qu va, euh... je pense que, que c'est lui qui va aller, euh... qu va aller chercher le titre hein. de toute façon que... Vous, euh, on je va pense va faire go... Pas... go Fujita Cyberfight ouais okay. c'est mon idée ouais. hmm. il n'y aura rien entre temps et c'est quand même pas une affiche folle-folle avec Fujita Champion même si ah j'aime bah, bien Fujita, ça reste, mais... ouais mais ça c'est tu sais dans leur idée c'est un aim c'est un nom euh... ouais. un vrai, faut ça faut qu'ils qu arrêtent avec leurs idées hein, si un jour ils vont monter un peu après Go euh, bah, euh... je suis d'accord avec toi pour dire que de mettre Fujita Champion même si personnellement je l'adore il me fait, fait rire il est quand même impressionnant dans le ring ça donne pas envie de, de s'y intéresser ah ben c'est clair à la différence d'un Keno Nakajima Kaito ah ou ouais, ou Go ouais Ouais, tu faire as ces quatre sache. là, putain. Fais un délectif. Faut que tu fasses un mélange de ces deux là pour, euh, pour Cyber Fight, normalement. Mm. Putain, ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Mm. Mais bon, euh, on sait comment ils sont. Ouais. Il euh, y a toujours un. Comment dire Il y, y a du favoritisme pour les anciens hein, au Japon. Ouais, de toute ouais, façon, c'est pas. Pour les chinois surtout. Ouais, chinois. Chez JP, ouais. ouais. ça ne arrive ouais. pas. Ouais. Hein. Mais même chez le, le, le Japon, non plus. Même sur le ouais. Japon, pareil. Chez Diditi, non plus. Il y a eu. Akiyama. Oui, mais Akiyama. C'est oui, il... une construction pour mettre en avant. Et puis voilà. Akiyama, il avait sa place puis... d'être champion. Akiyama, il catch comme un gars de 40 ans. Bah hein, oui, c'est ouais. euh... oui. clair, clair. Non, mais voilà, mais en tout cas, on... on verra pour la suite pour Go. Mais c'était un bon match que je peux conseiller, franchement. 17 minutes ouais. euh, qui passe vraiment bien. Euh, 4-4-25 pour Fab, donc euh, 3-75 pour moi. Euh, donc voilà. Il y a eu euh, match tag, 6 man Tag Team, euh, Sugi Uregun, Kazushi Sakuraba, Kazuyuki Fujita et Kendo Kashin. Euh, on gagne contre Masaki Kitamiya, Masato Tanaka et Yoshiki Namura. Euh, donc, on était euh, là du. Euh, C'était euh, euh, le match pour teaser le match entre Fujita et, et Tanaka. Euh, juste Fujita qui a pris les couleurs vertes aussi. Ouais. Bon, euh, voilà, il est je champion noir je... donc euh, couleur verte ouais. pour Fujita. Ouais, après voilà. Match euh, 3-25. Enfin, bon tu l'as vu ouais. ouais, je l'ai regardé. Okay. Il est un bon petit match intéressant. Euh, dans la construction, bah c'était pour surtout mettre Fujita et Tanaka face à face. On l'a en début de match, je crois, et après on l'a un peu en fin de match. Oh, Ça va se castagner la gueule, hein, les deux. Ouais, voilà. Là, ça Tanaka est très en retrait quand même dans ce match. Hein. Ouais. Euh, on le protège, mais il commence à fatiguer, peut-être aussi, c'est normal. Inamura énormément mis en avant au final, je trouve, dans ce, dans ce match. C'est lui qui fait les plus belles confrontations contre Fujita. C'est pas étonnant, hein on sait très bien ce qu'il y a euh, bon, bien sûr, c'est Inamura qui prend le pied sur Fujita. C'est ça le problème. <laughs> c'est toujours pareil en fait. Ouais. Est... Il est mis en avant, mais, il... mais c'est lui. Qui... Mais pourtant, ouais. il est impressionnant est... Ouais. dans ce match. C'est lui qui mériterait une chance en fait, pour le titre au niveau de la confrontation. Kendo Kashin qui est là pour faire le comédie, gars, il, là, il en fait, il veut pas, il veut pas rentrer sur le ring. Il s'embrouille avec euh, euh, Sakuraba tout le match parce que euh, à chaque fois, il essaie de, de faire le, le changement et Kashin se euh, barre, il ne veut pas affronter euh, Kitamiya et, et Inamura, il a peur d'eux. Donc, euh, c'est ça la construction de tout le match. Il y a une prise euh, qui peut faire peut -être, imp qui peut être impressionnante ou qui peut faire peur. On va voir Inamura qui a fait une prise, ça a peut-être euh, peut déjà été fait, mais ça va reprendre. En fait, il soulève Kashin euh, un moment dans le match comme un pneu. Ouais. les gros pneus. mais il s'amuse à faire ça sur les, comme ça et il fait le tour du ring comme ça. Il le balance comme ça, comme une merde. Bah, donc, en, euh... en même temps, Inamoureux, il jette des, des poids de 15 kilos à 4 mètres de haut. Donc, bon, tu oui. sais, euh... <laughs> ça va être impressionnant, mais ça va ça être impressionnant. Ouais. Ouais, C'était un peu ridicule parce que ouais. fait n'importe quoi, mais euh, à voir ce que ça donne. Mais ouais. je pense que c'est un truc qu'on va revoir. Inamoureux, hein. il est incroyable. Est ah, oui, mais il est bon, depuis, c'est une bête de, bête de puissance. un, un bœuf, ouais, ouais et euh, ouais, non, c'est dommage, parce que bah, et voilà, Il fait une super c'est lui qui a la meilleure confrontation contre Fujita. Et c'est juste. Pour non, mais dans que tous les Fujita matchs par équipe où il participe, c'est lui le meilleur. Ouais. Hein, dans mmh. tous les matchs. Hein. Sur lui, bah il bah Ouais, Au Budokan contre être... Kanto et tout ça. Euh... Fatigue, ça me fatigue. Ouais, ouais, c'est ça qui est chiant. Mais dommage. Quitte un peu effacé. Aussi, il fait juste peur à cacher, c'est tout ce qu'il fait. Mais. J'ai voilà. confondu le selling, Fab, entre le match de Go et le match d'après, le junior. Ah! ça joue oui mais Go, Go de toute façon il est toujours bon dans son selling mais je crois pas qu'il vende tant que ça dans ce match -là. son Ishii sur le ring tu as pas le dire. bah mais... oui j'ai mes 4 hein, j'ai dit mes quatre. oui c'est ça tu, tu <laughs> mais voilà mais donc un donc, match euh... je tiens donc à préciser que quand même Gauche Fusaki a fait un moins bon match que quand il Ishii sur le ring hein, d'après Cody ah bah oui parce qu'il a mis 3,75 ah bah hein. oui <laughs> bien sûr bien sûr euh, donc voilà je sais pas si t'as un truc à rajouter sur ce match euh... Fab non rien de plus Match pour le titre junior JSHI Junior Heavyweight Eita de Los Perros del Mal de Japon et de Dragon Gateo contre Daisuke Arada. Oui, t'aimes bien moi mes accents. Hein. Bon, euh, contre Daisuke Arada, euh, 17 minutes 28 et changement de titre. Et euh, donc ah. Eita, nouveau champion JSHI Junior Heavyweight. Euh, Arada avait un règne, un long règne hein, de deux mois et demi. Euh, donc, euh, <laughs> donc du coup, il fallait bien le faire changer. 62 euh, jours. 62 jours, bah. Oh, deux mois, ouais, mois deux mois, ouais. Enfin, en... deux mois et demi. Ouais, deux mois, deux mois, mois pardon. C'est euh... marrant parce qu'il avait, je à voir avoir, mais il a perdu au bout de 62 jours aussi son titre tag junior à Radar. Regarder. Ouais, ouais, bah, c'est la règle des 62. <laughs> <en fait. rire> On dit souvent dans les coupes, tu as les 7 ans, la règle des 7 ans, et puis voilà, c'est. Ouais, euh, sur son contrat, c'est 62 jours, après, tu perds. Ouais, ouais. Bah, euh, bon, uh, Yoshioka, hein, pensez à toi. Hein mais lui il a pas il euh, a bah eu euh... ouais, pense pas à lui en tout cas ouais, il, 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 il a eu quoi 15 jours Yustio Card je sais pas il n'est même pas sur cette carte il, bah il est blessé hein. il est blessé il est blessé ah ouais, ça il joue ouais. ce qu'il devait faire le, le titre junior il a du, ils ont ouais, dû ouais. le drop ah oui hein. oui c'est ouais. vrai euh, alors le match c'est un très bon match junior ouais. euh, vraiment un très bon match junior Aita euh, est super bon dans son côté un peu bâtard et tout ça bon ouais. Même, je crois qu'il a, il a tourné face, je crois, du côté de chez Dragon Gate euh, depuis peu, mais il a été voilà, très longtemps euh, du côté de chez Red, je crois, si je dis pas de bêtises. enfin C'est quelqu'un qui est très habitué à, au travail de heal. Euh, moi, personnellement, je l'aime beaucoup, je le trouve très charismatique. Arada lui répond vraiment bien. Euh, on a un vrai bon match de face contre heal. Il n'y a pas trop de triche, malgré qu'il y avait l'Osperos del des tout autour du ring. Il, je crois mmh. pas qu'ils interviennent un peu, peut-être un tout petit mmh, peu. Ouais, vite face, sont menaçants mais ils sont pas ouais il n'y a pas vraiment de basse en il n'y a pas vraiment de, de face hein, de toute façon euh... ouais enfin pas trop d'intervention de... quoi oui, hein, c'est a... ça euh... pas agressif ta et ta travaille parfaitement sur le bras de harada la première partie c'est que ça pratiquement et euh, le, le selling de harada est super bon quand il fait ses retours il fait des... des prises et à chaque fois il vend son bras il vend son bras il fait un elbow de l'autre bras et avec le choc il a mal au... à son bras et je trouve ça intelligent en fait parce qu'il tombe, et en tombant, même si c'est pas avec ce bras ou la malle qui fait le coup, il, il vend son autre bras, et je trouve ça, bah, pour moi, c'est parfait. Euh, et euh, la deuxième partie, bah, c'est beaucoup d'échanges de, de moves, euh, des nerfs etc. Ça bouge bien. Et euh, ce que j'aime, surtout quand il y a un travail de bras comme ça, c'est que, euh, une, une, bah, que ça a une, comment dire, conséquence. Euh, une conséquence sur la fin du match. Et c'est mmh. ce qui se passe parce que victoire de Aita avec une soumission au niveau du bras, je ne sais pas trop ce que c'est comme soumission. Euh, J'ai mis un bon 4, je ne suis pas loin du 4-25 en vrai, euh, mais ça manquait peut-être un peu de rythme pour mettre un peu plus. Euh, je trouve le début du match un peu lent, même si c'est parfait parce que c'est un bon travail, mais ça manque un peu. Quand tu veux voir mmh. des juniors, tu t'attends à un truc un peu, un peu foufou. Sauf qu'on est chez Noah, donc automatiquement, c'est pas trop le cas. Mais ça n'empêche que c'est vraiment excellent. Et euh, un très bon 4, match à recommander, clairement. Euh, un, vraiment un vrai bon match, euh, Fab. Ouais, moi, je suis à 4-25. Mmh. Euh, J'ai trouvé ouais, très intelligent euh, ce match. Euh, dans l'idée, en fait, à Rada, il essaye de. Bah, il... Il est... comment dire il, est... il essaye d'animer le match il essaye d'accélérer d'être un peu plus brutal et intelligemment il est dans sa stratégie en fait à chaque fois il se débrouille pour en, euh, envoyer au sol Arada et avec ouais. des très belles transitions pour euh, travailler les bras en fait en soumission ouais. mais toutes ces transitions sont bonnes il va y avoir une tentative de supplice de, de Arada et il va le choper le bras il va l'emmener au sol et ça va être ça durant tout le match et en fait ils vont te montrer que Aita va le dominer, va être très malin, intelligent durant tout le match. Ouais, hyper intelligent. Euh, super bien construit et qui gagne très logiquement. Bah, au bout d'un moment il fait craquer Arada euh, sur sa soumission ouais du bras, je ne pourrais pas dire le nom. Ouais. Et tout est construit comme ça et franchement c'est propre, c'est ça, ça change. Bon, change... J'aime bien... j'aime beaucoup Arada mais ça m'a pas choqué que. Non, Aita Aïta... c'est mé mérité aussi, c'est un super catcher. Hein, ouais. Euh... Et très très bon. Là pour le coup, le match incroyable. Non non, c'est Rosdelma là le titre. Il avait rien eu pour l'instant Si titre tag junior, Aito e -E -E oui. et Nozawa Rongay, je crois, quelques temps. Ah ouais, enfin, pas longtemps. C'est quoi. Non voilà, ça peut enfin peut-être pour... faire décoller Perr Mal hum. euh, chez Noah. Ouais. Après bon, ça reste ouais. une faction de junior. Hein. Bon, donc bon, oui, heure, bon donc, il reste. Oui mais bon, ça Enfin, quart d'heure quoi. Voilà, mais ça peut donner de d'intérêt. La division oui. de junior, c'est une domination maintenant. Moi, je trouve bien que... qu il le garde Ouais, moi, je trouve que voilà, il y a eu le règne de Hayata qui était bien parce qu'il était un peu long, mais c'était pas non plus le plus intéressant, on va dire. Pas le meilleur catcher. Arada, c'était cool. Ouais. Euh, que Aita prend le titre, je suis content. Après, je, je pense, je doute que ça dure très longtemps non plus. Ouais, euh... vrai, ouais. <laughs> ah. Mais euh, mais moi, je suis très content. Cette division junior me plaît bien. Les, les catcheurs que je vois me me plaît. Oh. Euh, je trouve que c'est voilà c'est qualitatif. Hein. Moi, je trouve que il y a de la qualité, c'est plutôt intéressant. Donc euh, oh. vraiment un bon petit match que, que je peux que conseiller. Voilà. Si vous aimez les constructions sur un bras et tout, vous allez kiffer quoi. Après faut oh. aimer le style. Voilà. Ouais, T'attendais un peu de peps peut-être sur les juniors, mais il y a Ninja Mac qui arrive. Hein. Oui, est attends, t'as Ninja Mac, t'as Dragon Bain, t'as tous les Mexicanos là, qui arrivent aussi. Et on n'a pas on n'a pas parlé du Gaijin qui est de retour chez Noah. On a voir chez les Junior, mais non mais on va mais... en parler pour la division par équipe. Oui, c'est vrai que. Oui, c'est vrai ah Bah oui. Vrai, bah c'est les deux qui reviennent. Ouais. C'est pas que un, c'est les deux. Ah j'ai entendu que le deuxième, j'ai pas entendu l'autre. Docteur Wadner Junior qui revient avec René Dupré. Okay. Ah, je savais pas bah J'avais pas... Pas, pas entendu qu'il revenait. Ah, si, de si, de... mais en fait, c'était les champions par équipe quand il y a eu la pandémie. Oui, bien sûr. Ils ont rendu les titres vacants et ils reviennent les deux en même temps. Oh. Ah, bah, J'avais pas entendu. J'avais entendu ouais. que René Dupré. Oui, moi aussi. René Dupré. Donc, Donc on. Bon. <laughs> Nos amis <Okay>. du Québec. <laughs> <laughs> Jérémy. Je respecte René, les Québécois, lui. mais bon. Ça, ça va vous autres Je respecte les Québécois, mais. C'est pas sa misaine, quoi. Voilà, j'aurais pas entendu. Ouais compliqué hein les, les, je me rappelle des débuts pandémiques de Noah euh, avec René Dupré là qui était ouais, partout. Dupré ça, ça jamais été très bon euh... Ah non non, c'est un grand gabarit quoi. Voilà. Ouais. Il fait 1m92. Si si, lui assez grand. Et ouais ouais cool. non mais d'accord ouais. mais c'est juste qu'il est pas bon quoi. Ouais, c'est un mid-card quoi. Et encore. Un mauvais mid-card. Ouais bon, ouais. on verra peut-être <laughs> qu'on sera impressionné on sait non. pas. On l'a vu bon. déjà. Ça fait longtemps qu'on le connaît quand même René Dupré hein. 20 ans qu'il est là. C'était ah. ça leur danse, non je sais plus. Ah oui, c'était ça, ça la. la danse, oui, c'était ça euh, la euh, résistance. Euh, ouais. Ouais, la résistance, là. Comme ça, je sais plus comment il disait. Comme ça, je crois. Avec ouais. que Sylvain Glaigné. Ouais. Comment Sylvain Glénier. Eh, remmolé Elle m'a chouré tous mes chocolats, Morgane. Ah, ouais, ça te fera pas mal. C'est ouais. pour ton bien. Bah ouais, voilà. Mais mais bon. <laughs> C'est des chocolats. Elle m'en a laissé un. Oh la vache Elle a bien fait pour toi. Heureusement que je suis en live, hein. enfin en émission, hein. sinon euh, ça ne serait pas passé comme ça. Hein. Je me fais pas victimiser. Hein. Ouais, <laughs> ouais c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois que tu vas être puni, toi. Tu vas éteindre la caméra, tu vas arriver au lit. Là. Tu es, un, tu es un, maintenant <laughs> <laughs> Bref, bon, euh, donc voilà. Donc, euh, les retours des gagines qui ont été annoncés euh, du côté de chez Noah, on sait pas encore pour quand, mais voilà. Au moins, il y a des retours annoncés. Oui, ce que des annonces, plus, mais c'est depuis la début langue. janvier qu'il a annoncé. Oui, <laughs> ah oui, <laughs> mais toujours bon. pas lent, pas, arrive. <laughs> on dirait un peu euh, Noah, c'est un peu comme Avatar, quoi. on attend Avatar 2 depuis 15 ans, quoi. Ou, ou comme Virmal, poste. Virmal chez euh, Roux. Ouais. 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 Mm. Ah oui Virman, oui c'est vrai que lui Virman. J'ai vu encore lundi lundi, ils ont fait encore une annonce, il arrive, ça fait trois mois qu'il annonce. Mais en plus tout le monde s'en bat les couilles de lui. Bah oui déjà, Ça joue. On n'est pas là pour parler d'euros, mais le booking désastreux pour voir WrestleMania, c'est quand même quelque chose. Enfin bref. Main event, du coup, match politique Tag team. La finale du tournoi, le Sugi Uragun, Hideki Suzuki, Takashi Suguria, Kondaiki Naba et Kaito Kiyomiya. Euh, si vous aimez Noah et tout son style habituel, vous allez surkiffer. C'est un très très bon main event euh, tag team. Euh, c'est clairement dans le pur style de Noah, donc ça se met dans la gueule. Les Faces font le taf. Euh, les Hills, c'est pas vraiment des heals mais les, les mecs un peu plus strong, hein, les plus anciens, euh, font vraiment font tout pour mettre over les, les plus jeunes. Euh, moi j'ai mis 4 demi sur 5. Sur le ah match. Oui. Ouais ouais non. non ah moi oui, je vous vous êtes gentil par rapport à notre cage match euh, sur ce show Ah ouais non non, mais moi j'ai trouvé oh, que... Les qualité gens sont vraiment... pas d'accord avec vous. Bah ouais bah c'est peut-être eux qui sont trop méchants, hein, je sais pas. Peut-être, j'en hein, sais peut rien, hein. je n'ai pas vu. Mais moi j'ai trouvé ça vraiment très très efficace. Euh, ces 28 minutes j'ai été euh, dans le match pendant tout, tout le temps. Euh, j'ai pas pris de, beaucoup de notes hein, mais, euh, mais je, je regardais, j'étais vraiment en fond dans le match. Euh, parce que je me suis dit euh, la merde, j'ai essayé de me, vraiment me mettre, ben, je savais le résultat, mais j'avais pas envie de tout analyser comme je fais généralement. Je me suis dit je le regarde euh, en pur plaisir, on va dire, sans, sans analyser. Et j'ai vraiment surkiffé, je trouve que la, la, le sprint final, les 10 dernières minutes sont excellentes. Euh, ça se met des pruneaux dans la gueule, ça, ça re, y a des, des Kaito est fantastique dans tous ses retours, ses elbow et tout. Et, euh, et puis il y a un putain de travail de, de Sugiura sur la nuque de, de Inaba. Et comment ça finit Un ben front, front headlock, lock donc sur la nuque et sur la tête. Donc intelligence encore une fois pour moi. Euh, je suis plutôt content des champions, même si j'aurais préféré quand même Inaba et Kaito. Mais je trouve que Sugiyora et Deki Suzuki, champion tag team, ça le fait large. Les mecs sont quand même très bons, malgré qu'ils ont euh, 40 et quelques et 50 ans ça reste très efficace, j'ai aucun problème s'ils ont 50 ans s'ils savent catcher, même si c'est vrai que j'aurais préféré quand même Inaba et Kaito pour le côté un peu euh, jeune et, et un peu pour changer même. mais bon, Ideki Suzuki Suguria, voilà c'est un, un peu un vent frais parce que c'est le retour de ça Suzuki, reste, oui. donc ça me dérange pas spécialement. Après ça reste le même problème, hein. euh, les jeunes sont pas mis euh, champions. mais bon ils ont ça on peut, moi j'espère pourquoi pas un jour euh, un match retour ou autre et euh... Et voilà, j'ai un peu d'espoir quand même, même si faut pas trop en avoir. Mais j'ai trouvé ça ultra efficace. Je peux que conseiller ce, ce combat. Fab. Euh, ouais, un match euh, clairement très 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 bon. Euh, 4,5, je suis assez d'accord. C'est une très belle finale. On a eu un suspense. Parce que moi, moi, j'étais parti sur une idée. Euh, Suzu Ideki euh, a eu son match de championnat. On va laisser la chance aux jeunes. J'avais vraiment de l'espoir. Euh. Cody, je pense qu'il a dit, a dit la, la globalité du match est, est vraiment intéressante. Il a tout dit. Après, voilà, j'ai pris. Tu euh... ouais. <laughs> T'es pas habitué. Hein, là. Bah non, bah non, il n'y a personne qui me fait des compliments. Hein. Voilà. C'est pas, pas Jérémy et Max qui me fait des compliments. <laughs> oh, ça va là Qu'est-ce qui se passe Laisse-nous <laughs> notre, euh, Laisse notre bromance avec Fab. Voilà. <laughs> Euh, non le, ma le match est très bon Mais j'ai pris une clim énorme Pff... J'ai pris une clim J'ai vraiment marqué hein, en fait, hein, J'étais là Je me suis levé hein, Je me suis levé du canap J'étais en train d'insulter le... Tous les noms Alors qu'ils ont fait un très bon match Ils ont fait très bien Mais ça m'a énervé mais... mais au plus haut point Ça m'a cavé Franchement J'ai fait Non mais c'est pas possible quoi. Là, Pourquoi L'autre il revient il est très bien Suzuki, mais il m'énerve déjà alors qu'il est très bien, mais il m'énerve déjà quoi parce qu'il il y a une chance pour le titre machin national là et euh, il est champion par équipe déjà. C'est quoi euh, C'est un jubilé le truc <laughs> C'est un il, arrive, il fait ce qu'il veut quoi ouais. Non, c'est insupportable en fait. Ça m'a dégoûté ça, de voir Kaito bon, encore sur pierre. Hein, je suis désolé, hein, Après c'est Inaba les... hein, qui perd. Hein. C'est pas Kaito. Ouais mais peu importe. Oui bah ça c'est si y si c'est un qui devait le prendre ça devait être Inaba, oui, oui. mais. Keito c'est bah, le il... grand champion, c'est le grand champion serpillère. Ouais, c'est la, peut... la grande serpillère de luxe, Noah en fait. Depuis il fait sa de défaite par tout le monde. Keno, il n'a pas perdu. Ouais, mais en, en, globalement, il perd tout le temps. Bah oui, si tu comptes le, le, le ratio victoire défaite, parce qu'il est tout le temps dans l'équipe des perdants, on va dire. Mais c'est jamais lui qui perd. Je... Oui, mais dans les matchs importants, il, il perd. Enfin, il perd, oui, il perd dans l'équipe. dans, dans, dans... Dans les matchs importants, c'est toujours lui qui perd. Il a jamais, il est toujours à ça. Ouais, ouais oui. oui, oui, mais c'est sa construction. Quoi. Ça il dure, ça fait deux ans. Ça fait deux ans. qu'il est à ça. C'est plus une construction à ce niveau-là. C'est du storytelling à très. Et longtemps. on l'avait dit pour Moto et ouais, non, il, est Moto, là, il est en train de mourir là avec sa jambe là, en vrac. <laughs> et tu perds ça. Voilà. Et non, je suis, je suis très, 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 très frustré de. Que, pas que Suzuki et Sugiura gagnent au final, c'est que Inaba et Kaito se fassent encore avoir. Ouais ouais, je, je, je peux te comprendre, mais ça n'enlève pas la qualité du match. Pour moi. Non non, c'est clair, match très bon, mais euh, voilà, Donc, on a on a Funaki 50 balais, euh, là Suzuki c'est le plus jeune des deux, il a 42 ans, on a Fujita il a plus de 50 ans. ans. Ouais. Euh, bah Ça va, il y a Eita qui a 30 ah, ans. Ouais. Et toi, Pour l'instant, il, bah, il va vite le perdre. Oui, hein, il y a mais Super qui va avoir sa revanche. Mais... Non, mais Nozawaranga, il va le trahir. Il va oui, lui, voilà, c'est ça. ça. Ça va arriver. Ou Kotaro Suzuki à la limite. Mais euh... <laughs> bon, après, Suzuki, Kotaro, ça va. Ouais, bah, Hideki. Enfin, ça va... Il gagne il tout. Il, <laughs> il s'arrête <laughs> plus. Il déquitte <laughs> Suzuki, il va aller Je gens, maigri, en gagne. J'ai maigri. Je fais 70 kilos dans chaque jambe. Moi, j'ai été chez VVE. J'ai été le le garde du corps puis des mains là et puis c'est bon hein. voilà ouais. et ouais non tu, fais glo, tu regardes globalement c'est pire en pire en fait l'année dernière on disait que c'était horrible mais en fait ça rentre pire en fait cette année c'est encore pire au en final si euh... qui qu gagne ça ça, Actuel... je pense que je perds de la motivation à regarder aussi hein, après moi je, même si j'aurais préféré clairement les, les champions euh, euh, plus jeunes et tout ça mais euh, Suguriya Hideki, Suzuki c'est qualitatif euh, Funaki c'est qualitatif, Fujita c'est qualitatif. Il je... y a plus qualitatif que Fujita et Funaki oui. désolé, à mettre en champion solo. Ouais. C'est parce qu'il faut voir avec qui ils le prennent. Ouais, ouais, il le prend avec qui. À... Inamura c'est qualitatif. Oui, bien Inaba c'est qualitatif. On peut en sortir des qualitatifs dans ce cas-là. Bien, hein, mais... bien sûr, bien sûr. Pour moi, Inamura, on prend exemple, hein, mais Inamura est, est meilleur que, ses, tu peux le que, que son son ce Zoki et ce d'accord hein. euh, Je suis d'accord. Inamura et qui t'a mis à choisir. Non, mais par, de équipe, façon, là, de... par exemple, c'est oh, beaucoup mieux. Oh, oui, oui, mais au, au point de vue booking, on est, on est tous d'accord hein, de façon pour dire qu'ils font les mauvais choix. Hein. Parce euh, parce que constru... tu, mal... tu construis pas tes stars. Hein, je suis non, tu construis rien du tout là, pour bah, l'instant. Ce qu'on qu reproche à WWE, Noah fait pareil. Hein. Ah oui, oui ouais, ça, je suis d'accord. En même temps, ils ont le temps à les construire. Hein. De toute façon, tant qu'ils n'ont pas 40 ans, ils ne sont pas intéressants. Donc, euh, ils ont le temps <laughs> de les construire. Hein. Mais, Mais ouais, bon, ouais, c'est vraiment Mais dommage. C'est ce qui va faire de leur perte hein, à Noah. Parce que là, ils avaient ah, tout pour ouais. prendre de, de, de la popularité avec des fans européens et américains. Euh, je pense que beaucoup des de, de auditeurs des qui et de Pour manière qui ont commencé à suivre Noah. Souvent grâce à nous, à force qu'on en parle dans pour Mania et tout, je pense qu'il, bah un peu comme Max, hein, il commence à, ça saouler, ils vont plus suivre, malgré que mmh. c'est qualitativement parlant, c'est très bon, quand même, enfin très bon, c'est bon. Mmh. Mais je, re, je, je vais pas arrêter Noah, mais tu vois là cette carte là, elle va pas chauffer quoi du coup, ouais. parce que, pff, voilà quand, quand j'aurai des à qui... enfin voilà. Mes quatre catcheurs on va dire, un peu au-dessus, euh, avec Inamora. les petits jeunes tout ça. Mmh. Plus Inamura, plus Kaito, plus ces mmh. Nakajima, bah là, je vais me remettre dedans et re regarder un peu plus. Mais... Ouais, parce que là, on dit, soi-disant, il y a un Big Four. Euh, quand chaque compagnie a souvent un Big Four. Au final, le Big Four de Noah, c'est ce qui perd le plus au final. T'as bah, Keno, t'as Go, t'as Nakajima et t'as. Bah, non, ça c'est le Eito. Big Four qu'on souhaiterait. Ouais, mais... Mais leur Bitforth, ah trop... c'est sans... la... le fort que tu avais encore il y a deux ans, c'est eux qui avaient les titres. Et maintenant, oui, pas... ils se sont... sont fondus du trou, ouais, tous. Bon Gauche, je pense, va reprendre le titre, je pense vraiment. Ouais, mais sinon, les autres, ils sont fondus du trou. Keno, il... Là, il tourne en rond. Keito, c'est une serpillère. Euh... Non, c'est pas... Ouais, Kajima, Nakajima, un il s'est fait un... Il euh, est décevant au final. Il n'a rien fait, il n'a pas eu le temps. Décevant, au final. Euh, il n'a il... eu que le match du 1er janvier, ouais. quoi. Le reste... Il, et il Suguria prend... qui était pas mal mais ouais c'est ça il n'a prend... pas eu le temps de faire quoi que il ce soit il prend le titre après il a quoi il a Suguria Suguria puis il a Go il y a match de Go il n'y a pas go. un autre avant Fujita euh, si peut-être avant Fujita peut-être qu'il en a un autre mais Pff. en fait ah, j'ai l'impression qu'ils ont mis Nakajima champion juste pour avoir leur match avec Go ouais c'est clair oh, ça oui, ça ça. ils ont construit en fait ils n'ont pas construit un champion ils ont construit un match c'est ça mmh. donc mmh. Euh... ouais donc, le match euh... de Nakajima, il a eu Marufuji, bah, il ouais. prend le titre à Marufuji, il a eu Tanaka. Ah. Lukeno, Keno, oui, c'est vrai, le match titre contre titre. Oui. Oh là, là, que va-t-il se passer On se demande tous. Euh... Go... Mais non, trop non, court, bon, en fait, il n'a pas eu Suguruya, j'ai confondu avec Tanaka. Ah ouais. ouais. Il a pas eu il a eu ou... Et il a eu Masaki Tamia, bah oui. On l'a oublié, bien entendu. Bah, il il, il, il a eu, eu un temps. bon ring, je trouve. Non, je ne suis pas d'accord. Pas pour avoir gagné le tournoi. Quand tu gagnes un tournoi, je... Tu gagnes le N1 derrière. Après. Tu es censé avoir un long règne. Euh, je, je suis d'accord ouais. avec vous dans le sens que c'est un, un booking totalement différent de ce que font les autres promotions japonaises. Euh, tu vois, New Japan, leurs champions changent très rarement. Euh, souvent, c'est des long reigns. DDT, c'est pareil. All Japan, c'est souvent le cas aussi. Euh, toutes les promotions, les champions majeurs, ils changent rarement. Euh, Noah, quand même bon il y a eu ils ont eu des gros règles dans le passé même. quand même go ouais. kaito a été champion quelque temps aussi bah même muto quand tu réfléchis il a été champion quand même pas mal de temps ouais, mais non lui c'était trop long oui. pas pareil mais... <laughs> mais ouais ouais bon c'est moi je pense que fujita non le... puis c'est toujours pareil c'est que tu les fais perdre contre les mauvais putain ouais, ouais, ouais. le problème c'est même pas le... la longueur des règles je suis désolé go shozaki hyper contre qui contre muto mm. Mm. putain muto t'attends que ça soit F... kaito qui le batte? c'est Fuji qui le bat mm. Là, tu as Nakajima, c'est Fujita qui le bat. bas ouais. À chaque fois les fins de règne, c'est ça le problème. On est déçu de la fin de règne. Ouais. ouais, ouais. C'est chiant. Ouais. Merde, merde. <laughs> on... mais bon voilà, on va pas s'énerver plus que ça. On, si on <laughs> quand tu veux pas parler veux pas plus te laisser parler, On va parler de Tiger Mask contre Chazowan. OK. Attendez. <laughs> là, il fait un un happening visuel. Donc, pour ouais. ceux qui nous écoutent en podcast, c'est vrai que c'est tout de suite moins drôle, mais ça n'empêche que c'est quand même très drôle. Voilà. Merci. Je reviens. Voilà. <laughs> il n'y a pas de problème. Donc, euh, voilà. Donc, la suite, bah, c'est le 23. Le... Il y a le 20, le 23, là, le 24 aussi. Euh, ils vont enchaîner. Ouais, il y a 20, 21, 23, 24. Ouais. Ils, ils enchaînent là. Ouais, ils ouais. enchaînent avec des matchs euh, plutôt sympas. Donc, le go Nakajima Le Kajima. gros show, c'est censé être le 21, parce qu'il y a le titre. Oui, il y a ouais. Fujita, d'accord entre autres. ça donc, euh, donc voilà, et le 24 c'est Funaki euh, Suzuki. Donc, voilà, euh, le 23 c'est Go Nakajima. Ouais. Euh, le 21 il y a aussi Go euh, Moshizuki. Non mais ce week-end on est mort de hein. toute façon. Est... Est... Parce que bah, le a... 21 c'est donc... lundi en plus. Oui, hein. c'est ouais, hein. lundi. Oui, non mais c'est lundi, c'est le en même temps que All Japan. Donc, euh... Mais ça va parce que la carte de lundi, euh, fin de noix elle est Pour l'instant il hein, n'y en a pas. Si, 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 si. si, si y a il y a toute la si, carte. A, ouais, enfin, je ne sais pas s'il si y a toute la carte, mais il y a Keito, si vous voulez que je, je vous le dise, ce que j'ai là. Keito Inaba contre euh, Arada et, Yunta, et oh, <laughs> Junta. Junta. <tu sais> <laughs> Ayata euh, Ogawa contre Eita et Super Crazy. Ouais, c'est des tags sauf le main event. Euh, Mao Fuji contre Yano Yasutaka. Je ne sais pas qui c'est. Oh. Oh, oh, ouais. Un 3v3. Jeune, euh, je crois, non euh, Pas, ouais, pas je très pense. intéressant. Ah, ça faisait longtemps. Alors, oh. on a qui Le King Tani, Mohamed Yone et Seito Akitoshi contre Inamura Okada, uh, Kinya Okada et Kitamiya qui vont donc encore perdre pour des yeux. <laughs> Surtout contre le Funky Express quoi. Encore le Funky Express. <laughs> bon, je on crois verra. Que, oui, il y, y, y a les juniors voilà, il y a Tag ouais. Junior, il y a Kotogi Yoé contre Rongai <laughs> et Kota Suzuki. <laughs> voilà il n'y a pas des matchs de fou quoi moi j'ai envie de mater euh, Mochizuki euh, Shosaki Main Event quoi mmh. le reste euh... ouais. bon bon on, va, on verra bien en tout cas de on verra bien ce qui va se passer et on va enchaîner du coup si vous voulez bien à New Japan Pro Wrestling euh... donc là voilà, je pense que tu as tout dit sur Noah Fab oui on a fait le tour ouais. ok ok ça marche on va enchaîner du coup avec New Japan euh, Max et on va commencer avec euh, la première journée qu'on va chroniquer, avec euh, la journée euh, 4, la journée du 9 mars euh, 2022. Bien entendu, on était au Korakuen. Il y avait 590 personnes. On passe tous les matchs par équipe et on arrive donc au match. <laughs> au match. Je viens de voir la note. On va passer vite aussi sur celui-là. Je viens de voir la note du premier match. Oui. Oh bah, je suis d'accord. Une étoile, à... une demi-étoile. Non, une étoile incarne. Une étoile incarne, pardon. <laughs> euh, ouais, ah, ah, du coup, enfin, préf préfère se barrer. Oui, <laughs> <tôt ça. rire> je pense qu'il faut, je veux pas entendre parler. Donc le premier match de la CUP, c'était le deuxième round. c'était Hiro Hiroki Goto qui avait gagné dans son premier tour, euh, et il faisait face au l'exempté euh, Dick Togo. Tout à fait. C'était à chier. Ça a triché tout le long avec Dictogo. Togo. Ouais. C'est votre chemin. Ils ont, pas, ils ont pas, voulu catcher quoi. <laughs> non, non, nul, aucun intérêt. Ok. Nul, Shima nul Kon yoshinobu Kanemaru. 14 minutes 46, victoire de Shima qui passe un tour encore. Ça, c'était pas mal. Ouais. Ça, c'était pas mal. Euh, un Kanemaru assez agressif euh, qui attaque euh, Shima très vite. Mmh. Et Kanemaru qui a l'avantage, notamment au début du match grâce à ça. Et en trichant un petit peu, mais ça reste léger. Mais qui garde l'avantage. Beaucoup de travail, notamment sur, euh, sur la jambe pour Kanemaru. Mmh. Et euh, par contre, il y a beaucoup trop d'aveuglement. Il n'arrête pas de mettre les doigts dans les yeux. Euh... Okay. Triche, ça C'est ouais, un peu chiant ce côté-là. Euh, au milieu du show, mm -hmm. c du match, c'est pratiquement que ça. Et du coup, Shima a du mal à reprendre l'avantage avec tout ça. Euh, vu qu'à chaque fois, il lui remet euh, les doigts dans les yeux. Mm -hmm. euh, et quand il essaie les trucs, soit il se fait esquiver, donc soit euh, hop, il retriche. Donc euh, tu sens que Shima galère, galère à cause de ça. Mais il arrive à reprendre l'avantage vraiment après un... vers la fin du match, après un super kick. Quand Kanemaru, euh, Kanemaru boit son Sky. Okay. Son sky juste après Shima lui fait un kick donc avec le sky qui ah ouais, okay. voilà comme d'hab. Juste quelques 30 deux secondes. Oui. Euh, je vais devoir y aller. Ok Désolé. ça marche. il ah, bah n'y a, a, a pas de problème ça marche. Non. Bah allez bonne voilà. soirée à toi. Voilà, bonne soirée. Salut, à tous et... ciao. Bonne soirée. Ça ouais, va. Donc il euh, n'y bah, a pas de souci on va finir l'émission à deux. Hein, bah euh, oui. Max. Désolé. Non non t'inquiète pas de problème pas de problème. Euh, J'ai juste du coup passer en mode duo sur le l'overlay le, le, l'overlay voilà merci je vais le tac le re -régler. mais vas-y continue le temps ouais continue. ouais bah bon j'avais tout dit on arrive à la fin du match justement ok vraiment Shima se fait dominer tout le long euh, et euh, il gagne sur la fin avec des en quelques enchaînements et finish ok c'est météora ça. Ça ouais le, le météora ouais effectivement ouais. j'adore moi je, moi, juste... je kiffe hein. mon perso ouais euh... il est bien il est bien ce, ce finish moi j'aime beaucoup Donc... le le enfin je je vais en reparler de toute façon dans son match contre Goto mais Shima, ouais. je l'adore. Franchement, je... Okay. je le trouve vraiment impeccable. Donc, euh, voilà. Faut Donc, c'est un 3-25 pour moi sur ouais. ce match. C'était sympa, mais trop de triche, on va dire. Ouais. Euh, juste, alors, deux secondes. Euh, vas-y, vas-y. J'ai un overlay qui est pas bon. Je vais juste essayer de voir si je retrouve. Bah Vas-y, j'enchaîne. Bah, vas-y, euh, enchaîne. En attendant. Ouais, hein. en attendant ouais. De toute façon, tu pas vu cette journée. Euh, non, vu, j'ai pas vu. Pas vu. Ouais. Euh, et le dernier match de la journée, le main event, c'était Okada contre Wato. Master Watteau, donc Master Watteau qui se retrouve à un niveau un peu haut par rapport à ce qu'il peut nous montrer d'habitude. Hein, il est quand même contre le champion, forcément. Euh, J'ai passé un bon petit moment. C'était okay. bien. C'était 18 minutes. C'était un peu long, peut-être pour du Watteau, je dirais. Mais c'est le main event du show, donc forcément, c'est plus long. Ouais. Après, ça reste que 18 minutes, donc ça passe encore. Okay. Euh, Watteau n'a pas le niveau pour faire face à Okada, ça se voit. Malgré tout. Il a des petites attaques, des petits offenses quand même de temps en temps. Quoi. Ouais, de temps en temps, bien sûr. Mais tu vois qu'Okada est supérieur. Okay. Et même dans la technique, enfin même dans le dans le rendu. Tu vois. Même pas que dans la confrontation, on voit que c'est pas 50-50. Même dans le, voilà, dans le rendu du combat, mm -hmm. tu sens que le catcheur n'est pas à la hauteur. Ouais, oui. Ce qui est logique. Hein. C'est normal. Bah c'est tout oui. à fait normal. Donc, cadre, mis 3, je suis entre 325 et 3,5 sur ce match-là. Ok. T'es okay. con... gentil. T'as mis combien au match d'avant de... 3,25, okay. ok, donc petite journée mais prévue Petite journée, oui, tout à fait, je vous l'avais ouais. dit, celle-là été pas pas. Ouais. Journée prévue, euh, la, journée, euh, la journée 5 du coup, euh, c'était une autre journée un peu, voilà, un peu vite fait hein, quand même. Les deuxièmes tours sont très ouais. très limites parce que pratiquement tous les exemptés n'étaient pas ouf hein. Ouais, c'est ça, c'est ça Ouais, euh... Effectivement, on était là du côté euh, donc le 10 mars. On était du côté de Kofu Yamanashi Japan au Aimes Yamanashi. Je crois que c'est la première fois qu'on parle d'un show à, ça me dans, dit rien, ouais. dans cette ville là. Ça me dit rien du tout. Euh, ça, avait, ça devait être une petite salle, je pense. Oui, oui, oui il y avait petit. 408 personnes. Euh, le match du premier, du deuxième tour, du coup, c'était Yoshiashi contre l'exempté Kosei Fujita, le, le Young Lion. C'est ça, le dernier Young Lion, pardon, qu'on n'avait pas encore vu. Euh, Fujita, euh, c'est pas mal, honnêtement, ça dure euh, 9 minutes, ça se défend plutôt bien de la part de Fujita. Il est intéressant, mais je le trouve quand même un peu plus lambda que les deux autres. Mm -hmm. ah, un peu plus lambda, beaucoup plus lambda que notre ouais. préféré, bien entendu. Ah, hein. euh, Nakashima. <laughs> quand t'as dit ça, j'ai un doute... Du, non, il alors, que tu ailles. <laughs> du coup, t'as fait Shiba. Non je dis non je dis Nakashima ah ouais j'ai juste j'ai entendu j'ai dit Nakah j'ai entendu juste Shima donc... on, euh, on a fait pas, on, on s'est complété c'est ça on s'est on a fini Les Shima ouais. c'est un bon catch bah maintenant tu sais que vas. Fab est plus là je, je veux faire une bromance avec toi aussi donc euh... ah, non non <laughs> je... non ça marche que tu as été vers Fab euh... <laughs> <laughs> euh, non c'est pas mal Après effectivement Même par rapport à Oiwa Je pense qu'Oiwa Est un peu plus intéressant Que Fujita Ok euh, Mais c'est un bon petit match Après C'est pas non plus Le meilleur catcheur Peut-être pour mettre Un Young Lion en avant mm. euh, J'ai mis 3 Sur ce match Ok Tetsuya Naito Contre Gedo 14 minutes 18 Victoire de Naito on va voir Guido qui était aussi l'exanté. On va voir la qualité ouais, des exemptés ouais, hein, ouais. Qui pas la oh. qualité du match. C'était Hachim. Ok. okay. Victoire de Naito. Rien à noter. Ou... C'est nul. Oh, oui, ouais. oui, heureusement. Jeff Cobb accompagné de Willer Spray contre Satoshi Kojima. 15 minutes 36. Meilleur match du show. Sans, sans, sans problème. ouais non, logique. Euh, ouais, logique C'était un bon match. Kojima était très cool dans ce match. Je le trouvais vraiment très bon. Il s'est vraiment pas mal donné pour, pour pouvoir rendre à Cobb qui, qui, qui a forcément une grosse, grosse présence. Ouais. Dans le ring, et dans, dans le combat, et Kojima s'est bien donné dans ses dans ses chops, dans ses dans ses strikes, on va dire, dans sa façon de frapper. Mmh. Je l'ai trouvé assez intéressant. Euh, mais Cobb était plus fort. Il, il, il le bat grâce à sa force, tout à ouais, fait logique. Cool. Avec son tour av of the island à la fin. Bien sûr. Donc c'était euh, trois et demi voilà. pour moi. Ouais, mais c'est mais c'est solide. Mais Jeff Cobb est très solide. Hein. Du peu que je ouais. vois dans le tournoi, dès que je le vois. Ah ouais, depuis, euh, depuis, bah, depuis G1 euh... 2020. Hein. Ouais c'est Ça effectivement, Hiroshi Tanashi contre Bad Luck fallait, ça devait être bien 15 minutes. Bad Luck Fale, hein, de nouveau exempté, super intéressant. C'était long, ah, oui, 15 minutes de Bad Luck fallait, c'est long. Surtout, euh, bon, Tanashi, en euh, contre. déjà, c'est pas. Mais j'aime bien, mais pour une fois, tu dis d'habitude les matchs de Tanashi, 15 minutes, ça va, mais pas contre Bad Luck Ouais, Fale, mais quoi. bon, pas contre, n'importe qui, quand <laughs> peut pas déconner. Non, c'était nul, il y a pas grand chose à en dire, c'était pas ouais. très intéressant. C'est Bad Luck fallait, quoi. Ok. Okay. pas grosse journée non plus quoi il y avait vraiment si vous voulez en voir un c'est le cop Kojima c'est tout ouais mais pas nécessairement rattrapé hein. non ouais, non mais mais vraiment cop quoi le deuxième tour euh, ouais, part, ouais, ouais. Euh... moi j'ai rien vu ouais. là parce que ça m a... y a aucun match qui me donnait envie quoi. là les deux journées d'après étaient les plus intéressantes ouais ouais ok euh, effectivement la deuxième journée puis il y avait beaucoup plus de monde il y avait 1700 personnes on était à Nagoya Aichi Japan au Aichi Prefectural Gymnasium on était le 12 mars 1722 personnes et Excusez-moi, euh, Zach Saber Junior contre Dookie dans le premier match. Tu m'as dit que c'était un bon match. J'ai pas eu ouais. le temps de le voir. Euh, J'ai vu juste quelques extraits. Ça avait l'air de bien bouger. Euh, que ça avait l'air de mélanger la, t la technique de Zack Saber avec la vitesse de Dookie, Ça avait l'air de bien se compléter. Ah ouais, ça a, ça a très bien marché. Je vois que la note est très belle euh, ouais. sur ce euh, match je, je suis quand même moins haut que ça, je suis à 3,5. Okay. Bon, à mon avis, je pas loin du 3,75, mais je suis resté à 3,5. 7,76 euh... euh, sur 45 votes. Ouais, 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 ouais. Euh... Et Douki qui attaque, euh, pareil, avant que Saber rentre. Ok. Donc il se veut agressif dès le départ. Ils sont dans le même clan, je le précise. Ouais, ils sont dans le même clan, tout à fait. Bon, euh... Suzuki-gun, ils sont agressifs. Oui, quoi qu'il arrive, euh... ouais. même s'ils si sont dans le même clan, ils s'en foutent. Hein. On a pu voir des Taishi, euh, notamment contre euh, Zach Saber ou contre Dookie, euh, ça n'a jamais été non plus très calme. Euh, Dookie était très crédible. C'est ça que j'ai bien aimé dans ce match-là, où je pouvais avoir de grands doutes. C'était que Dookie soit crédible face à Zack Saber. Et je, je l'ai trouvé très crédible, et notamment, comme tu disais, avec sa vitesse, euh, qu'il a très très bien utilisé, je trouve, pour réussir à emmerder euh, Saber. Okay. Ça, ça a plutôt bien marché, ça a donné un match beaucoup plus serré que ce que je pouvais penser. Après, Saber gagne grâce à sa technique et il fait d'ailleurs une soumission très étonnante. Je suis incapable de vous dire ce qu'il a fait, hein, comme d'habitude. Ouais. Il le met dans une position, il le plie en deux, le machin, <laughs> pour le faire abandonner. C'est très marrant. Ouais. Mais, euh, mais oui, euh, voilà, la, la qualité du match va avec, euh, avec le Dookie qui a été capable d'élever son niveau et d'emmerder de, Zack Saber. De temps en temps, ce... il nous faut des bons trucs. Hein. Je me souviens dans ouais, les euh... Sixman man et tout, tu sais, il y avait un Sixman man où c'était. Chaos contre Suzuki Goon et c'était Duki Yoshiashi qui avait ressorti pendant tout le match pour les titres de Sixman ouais. ouais. Et vous avez fait 40 minutes au Corakuen un ah super alors, mais, match. Events, ouais. Ouais. Et, euh, mais Duki c'est pas un mauvais catcher non plus, il est bah, nous l'avait dit hein, quand il avait ouais, joué à euh, à la... au Mexique. Ouais. <laughs> Vamoster... Non pas Vamoster. <rire> <rire> même bien ont... à la ressortir <laughs> euh... ah ouais, non, je sais même pas si lui s'en souviendrait <laughs> N'hésite pas à le mettre dans les commentaires, Fab. Je pense pas que tu regarderas. <laughs> mais, mais voilà, ok. Euh, match qui, ouais, sur le papier, c'est bah, un peu équivalent, on va dire. Sauf que il n'y a pas trop de technique de Gretokan Khan, même si Gretokan a des bases de lutte euh, oui, technique et tout. Oui, mais on va dire qu'il a plus un style brawler chez New Japan. Oui. Donc c'était Gretokan Khan contre Taiji Ishimori, minutes ouais. 43 Ishimori a aussi euh, un aspect plus brawler pour un junior. Assez technique aussi. Hein, il reste technique, il reste rapide, ouais. mais il tape aussi fort. Ouais, ouais bien sûr. Bah, Noah, hein. Ouais, bah voilà, de toute façon, il vient de Noah. C'est pas ouais, pour ouais. rien, il a été très longtemps. Bah, Zach Saber, euh, ses premières dates au Japon, c'est Noah aussi. Hein. C'est ça. Bon, c'était un peu différent là, par contre. Ouais, ouais, ouais. C'était pas ça le correspondait moins. Ouais. Ouais. Et puis ça correspondait moins. Ouais, mais euh, ouais, c'était un, un bon petit match. Euh, c'était plutôt violent. Okay. Honnêtement, dans le style. Gratokan a amené sa violence. C'était J. a su répondre. Okay. J'ai mis 3-25. Euh, c'était okay. sympathique. Voilà. Ouais. je vais assez vite parce que je suis tout seul à avoir vu les matchs et que ouais, je ne ouais. pas beaucoup hein. ouais. mais euh, mais ouais. c'était pas c'est pas un match à rattraper euh, ouais. spécialement ouais. mais n'ai pas passé un mauvais moment c'était plutôt cool en, en parlant de matchs à rattraper bah Willow Spray connaît le Fantasmo on s'en doutait que ça, devait, que ça allait être bien. Je l'ai vu tout à l'heure en faisant à manger, mais ça m'a j'étais juste bien parce que j'avais un truc au four, donc j'avais que ça à regarder, donc je l'ai regardé plutôt à fond. C'était un super match. Euh... Le four ou le match Non, le, le match, match, le match, le match. Ah ouais, okay. Euh, très intelligent encore une fois dans, dans le combat, je trouve la, la construction est vraiment cool. Euh, C'est vraiment un mélange d'intelligence et de bons spots. Euh, le Fantasmo, on, là on voit vraiment une différence de gabarit, je trouve, avec Widow Spray qui a pris la masse et tout ça, ouais. et même de la, de la prestance. En plus, déjà qui était beaucoup de prestance, mais, mais j'aime ai, bien... Alors je comprends pas trop le sud le dire du pied de Fantasmo qui arrive plus, euh, qui a peur de mettre des super kicks ouais c'est avec son histoire de truc dans la chaussure là ouais. c'est resté là dessus ouais et à un moment il y a un spot où Fantasmo est en capacité de mettre un super kick mais il le met pas du coup osprey revient il euh, n'y avait pas vraiment de heal personne a triché non il a elp a très peu triché ouais, voilà. très très peu, très, très triché, peu. Ouais. Ouais. il a fait quelques que trichures et tout mais en ouais, voilà ouais. plus que de la triche c'est plus des ouais. actes de heal entre ouais. guillemets mais mmh. c'est vrai que ça ça justement c'est vraiment ce qui m'a fait plaisir dans ce match là ELP j'ai tendance à en avoir marre mmh. alors que c'est un super catcher ouais. euh, parce qu'il triche trop parce que etc boulet de club machin et euh, ça c'était très chiant et là dans ce match là voilà mmh. il catch euh, il fait des enchaînements et ça fait plaisir de ouais. voir ELP comme ça c'est un très bon match un très bon match je mets 4 je pense je suis à 4-4-25 ouais, ouais pareil ça ouais. fonctionne très bien les deux ouais, ouais. ils enchaînent ouh, fou, ouh, euh... ça marche super bien ça c'est un match à, ça, à rattraper, ça ah, oui. euh, sans, sans aucun doute ouais, je suis d'accord avec toi euh, très bon match, c'est ce le genre de match que je me dis putain ouais faut pas que je loupe ce genre de match du euh, Japan Cup, il y a quand même des très bons matchs. Et oui, ce genre de match, on n'aura pas l'occasion de le revoir d'ici là, donc euh, ça fait plaisir. Non, c'est ça. Et on y reviendra junior, après. Il ne mais... changera pas, ouais, ouais. LP, ouais. Je ne pense ouais. pas qu'il va prendre du poids. C'est bon. ça. Bah, on y reviendra sur un match qu'on n'aura sûrement pas l'occasion de le revoir et qu'il faut surtout pas le louper. Quoi. Oui. Euh, donc voilà, tu peux pour savoir de quoi je parle. Ah, euh, je te l'avais dit. Oui, euh, pourtant, il y a trois moves dans le match, mais qu'est-ce que c'est bien. <laughs> ah mais ils sont en fil fait 56 fois aussi, les moves. <laughs> c'est ça. Non, trois moves ah, de catch. Oui, c'est pas enfin, un move ça. C'est trois, trois prises. Ça, ça c'est pas un move. Ouais, bah c'est pas une prise de catch. <laughs> tu sais, c'est pas. Ça, ils que... en fait souvent. Tu sais, sur Touquet, maintenant que tu joues à Touquet, t'es un expert aussi. Euh, D'ailleurs, je le rappelle. GM, mais... Bah non, ça sera passé, je suis con. Bah, oui, je je le rappelle, on, a, on en a parlé hier. <laughs> on en a parlé hier. Dans, Et dans vous pouvez l'écouter samedi dans la rediff. Ouais, c'est ça. Ouais, bon. Monsieur, j'ai envie de dire Monsieur. C'est pas Fab qui aurait fait ça. Un, un non. <laughs> ah je pense pas. Bon, il est fatigué. santé même tout à l'heure, il était, fatigué. Mais non, normal. On est tous fatigués, ça peut se comprendre. Voilà. Puis bon, en même temps, il a eu Noah, il a, il a eu une hype il a cru que les jeunes allaient être mis en avant. <laughs> Même. La clim, hein, après mal la gorge, tout ça. <laughs> bah oui, oui, le coup de froid, c'est clair. Euh, non, mais mais du coup, euh, on parlait de quoi on, bah, on Tu parlais parlait du... ouais, de touquet. Ouais, de touquet, oui. Et, euh, en fait, quand les je prises. dis prise, c'est quand tu sais quand tu appuies sur rond. enfin okay. Tu vois. Ouais, carré, prise. non. Ah, les... C'est un coup. Okay. C'est un coup. Donc euh, voilà. C'est un, un coup léger ou un coup fort. Voilà. C est, c est le, le du coup, on envoie dans les cordes. Une, une non, c'est tu fais rond et après croix ou, ah, mais ou rond. carré. Ah non, on prend, dans les cordes, tu fais rond. Oui Oui, 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 oui. C'est un Ari Sweep quoi, c'est un C'est <laughs> comme ça que ça s'appelle un Ari Sweep. Sweep, un Sweep. Bon, c'est un projection quoi. Euh, D'accord. Donc, ouais, dans... <laughs> euh, donc voilà. Mais bon. Le match d'après, c'était encore une fois une affiche inédite. Sanada Parfait. contre Ayron et Nare. Lily. Euh, je n'ai vu que la fin. Euh, du match, euh, parce que je. Bon, même si je m'en doutais qui allait gagner, Sanada, il se passe un truc, je trouve. Non Avec moi, mais. Non, non Ok. Mais il est hyper soutenu, je trouve, par le public. Euh... Mais il a toujours été soutenu, Oui, c'est hein. vrai. C'est Il a vrai. toujours été aimé. Hein, raison, il, il finit euh, le match avec un Muto Moonsault. Ils l'ont appelé comme ça. Ok, j'ai euh, même pas fait Ouais, dire. ouais, si, si. Euh, bah, après, c'est l'élève de, de Muto, hein, euh, Sanada. Ouais. Euh... J'ai hyper 05 5 pour moi ouais bah après il a été <laughs> souvent euh, décrit comme ça hein, l'élève de il ouais. a même le même il a clairement le même catch que Muto là hein. ouais, je suis pas fan c'est étonnant ouais, ouais, non mais c'est ça a du sens mais oui il a il a le même catch que Muto moi j'ai alors j'ai pas j'ai pas parler du match mais euh... moi sur la fin le Moonsoul de fin et tout ça c'était bien cool après, j'ai pas vu le reste du match. 25 minutes, je pense. C'était trop long. long. Voilà. Oh, C'était ouais. ah ouais. <laughs> beaucoup trop long. Euh, mais encore une fois, c'est un main event. Donc NJP, ils aiment bien faire ça. Et puis... Alors on est à Naré dans cette position, c'est rare hein, d'avoir un main event et avoir des matchs si longs. Donc Enari euh, était intéressant dans le sens où il a amené euh, de la puissance et je trouve qu'il a été beaucoup plus. Le match a été beaucoup plus 50-50 que ce que j'aurais pu penser. Okay. Peut-être 55-45, quoi. Mais je pensais qu'Enare serait moins... moins fort dans ce match-là. Mmh. Ils l'ont quand même mis fort pour une fois ça c'est plutôt agréable après en 25 minutes es obligé de la mettre un peu fort sinon t'as aucune raison de le faire tenir 25 minutes le match mmh, mmh. donc j'imagine que c'est aussi la raison ouais mais euh... voilà c'est un mélange de Sanada dans ce qu'il sait faire mmh. dans ce qu'il fait d'habitude clairement c'est du classique Sanada et un darren Narai qui a amené sa puissance pour contrer ça moi c'est pas mon tribe j'ai mis 3 ouais ok euh, on, on parlait des attendances de Noah qui sont pas fantastiques. Par contre, du Japan, ça, ça ça remplit. Quand il y a des belles cartes, ça remplit. Hein, ça parce remplit. que là, c'est 1007 et après c'est. 2000, 2016. Ouais, voilà. Donc ça remplit bien. Donc, euh, on n'est plus en condition de. Euh, ça a l'air ouais on est, on, en tout cas on était à la moitié des capacités ou peut-être un peu plus mais les, les gens sont collés en tout cas oui oui ils sont collés, ils sont collés. les gens sont collés donc euh, et puis ça me paraît être les attendances qu'ils faisaient avant dans les shows comme ça ça ressemble dans ces, so dans ces salles là ah, enfin, dans, ouais, dans ces ah, shows là ouais. donc euh, tant mieux tant mieux tant mieux ça a l'air d'aller un, un peu mieux donc on croise les doigts pour que ça continue comme ça euh, donc euh, le show d'après on change de journée journée 7 il euh, y avait surtout le main event qui était très intéressant et il y a oui. eu un truc après oui. un match qui a été intéressant voilà euh, que je n'ai pas vu du coup euh, mais j'ai vu le, le moment euh, voilà. ah, excuse-moi je, je te coupe je pas dit dans les journées d'avant par contre euh, il y a alors je ne sais plus à quel moment dans un, dans un trio un 3v3 ou un truc comme ça ou un 4v4 il y a Shaw qui a défié El Desperado. ok triché ouais parce qu'il s'en va tricher oui, oui, mais, vrai. mais voilà il y a Shaw qui a défié pour le titre junior El Desperado, dans, un, okay. dans un match comme ça ok ok pourquoi pas pour la finale euh, la dernière journée Peut-être, oui. Mmh, Peut-être ça, peut ça. Ok, à voir. Bon, on verra. J'espère qu'il prendra pas le titre. Mmh, euh, aussi, euh, oui. Parce que c'est jouable hein, qui prend le titre. Par contre, hein. oui, euh... mmh. <laughs> euh, donc, on était à, à, à Amagasaki Yogo Japan au Baikom Gymnasium. Il y a 2016 personnes le 13 mars 2022. Euh, et je ne sais pas pourquoi je dis 2022 à chaque fois. Hein, c'est logique. Euh, Chase Owens contre. <laughs> Tiger Mask, 10 minutes 33. Ah, j'ai même pas noté, chez Owen. Ah, oh, j'ai pas regardé. Okay, ouais, t'as pas vu. Ok. Non, non, bon, en même temps. On en pas déconner. Non, non, non. non mais... <laughs> je t'en veux, veux pas mal. Je t'en veux pas Il y en a un autre que j'ai pas regardé, je crois. Ah, oui, il y en a un autre que j'ai pas regardé. Shingo Takagi contre Tangaloa. Ça j'ai regardé. Ça. Ouais. Ok. J'ai regardé. Euh, Tangaloa, c'est pas ça. Hein. Ouais. Tangaloa, c'est le moins bon des deux. On va pas ouais. se mentir. Mais c'est pas lui le projet. Hein. Non 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 bah totalement de toute façon Bah on... non mais euh, moi je moi pour moi c'est champion US euh, on va revenir mais Tamatonga je pense qu'ils vont le push C'est possible c'est possible mmh. Mais ouais Tangaloa dans ses coups ça manque d'impact mmh. À un moment il fait un... des coups de bélier à Takagi dans le coin euh... mmh. C'est pas bien hein. mmh. Même ses coups de bélier il manque d'impact Ouais C'est c'est pas, bon, pas bon Heureusement qu'il y a Takagi qui quand lui tape ça donne de l'impact c'est tout l'intérêt du match sinon le reste c'est pas ouf quoi. Ouais, donc okay. moi j'ai mis 3,25 sur ce match là mais vraiment grâce à Takagi ouais, quoi. Ouais. Pff, bon de toute pas façon tout c'est hein. que Takagi passe voilà. oui pour bon, l'instant on, bon, bon, en en instant, on peut tourner. voir pas de surprise ouais, ouais. Ah, d'ailleurs c'est vrai que qu qu euh, faudra que je le mette à la fin à la fin ouais, ouais. sur la NJ Cup bah après, ce, après ce show là sur la NJ Cup euh, parce que le match d'après ils sont pas dedans ah oui sur la NJ Cup d'habitude il y a quand même pas mal de surprises là ils en font pas c'est plutôt cool ouais effectivement comme ça on aura des beaux quarts et sûrement des beaux demi Ouais effectivement euh, Après donc il y avait oh, bah, oh, Après il y avait euh, Donc Evil contre Tamatonga Victoire de Evil en 14 minutes 21 Le match en lui-même tu l'as pas vu Mais ce qui se passe après est quand même important Pour, euh, ouais, pour euh, l'histoire Tout à fait euh, bah, Ça arrive dans tous les sens On va dire Pendant le match, à la fin du match T'as les gars d'House of Torture qui arrivent pour aider Evil en fait et euh, en gros, c'est le foutoir et surtout euh, ELP et Ishimori arrivent et attaquent Tamatonga. Mmh. Donc sont bien avec House of Torture. Ils sont bien avec Jay White aussi. Alors, moi je sais pas, Jay White, comme on le voit pas, on sait bah, pas. Jay White a attaqué Tamatonga et Tanga Loh, chez Impact. Voilà, mais est-ce que ça veut dire moi je vois pas Jay White dans House of Torture bah, c'est le nouveau bullet club en fait. Enfin le bullet club sans avec Jay White en leader quoi tu crois toi bah, ah, moi, un... evil, hein. oui mais peut-être qu'il y aura un problème finalement. avec jay white aussi je, je sais pas moi je pense que jay white au final il sera pas au soft torture mmh. alors effectivement guido arrive avec le la veste switchblade mmh. ouais donc ça annonce ouais, ouais. qu'effectivement il est avec au soft torture mais moi je suis persuadé qu'il y aura un problème mmh. ça peut pas continuer je vois pas jay white dans une équipe aussi tricheuse autant encore pire qu'avant ouais. et avec en plus un evil qui a pris le leader pendant qu'il était pas là Ouais 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 c'est sûr. Après, Je pense que ça va euh, péter. Tu sais dans tous ces promos au Japon et tout, enfin aux États-Unis, White il dit que c'est lui le leader De Bullet Club et tout ça. Oui bien sûr. Donc on ne parle jamais de of Torture. Non non est, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Je pense que c'est important. Et donc ELP et Shimori c'était peut-être ceux où on avait le plus de doutes qu'il allaient rejoindre. Et aussi Bad Luck Falley. Bon on s'en bat ouais. les couilles hein. mmh. Mais Bad Luck Falley tourne quand même sur Tamatonga et Tonga ouais. Loa. Il est à basse et euh, Jado pareil. Jado. Et, et, et avec Tamatonga et Tonga Loa, il se fait attaquer par Guido. Donc il y a vraiment un écart de Tamatonga, Tangaloa, Jadot qui sont euh, sortis du bullet club. Il reste plus qu'un original dans le euh, bullet club. Il reste club. Y, euh, Yujiro. Yujiro Falle était ouais. pas original si, euh, Falle aussi. Ouais. Ouais. Falle et Yujiro sont les Il y a Owens qui est dedans aussi mais il n'est pas original. Ouais. Mais t'avais Tamatonga qui était dans les originaux. Dans les originaux, oui. Euh, mais Tamatonga pour moi c'est le projet Babyface. Il bah, y a des chances oui Parce Parce qu'il est chances. super bon en solo. Alors moi j'ai deux, deux idées. Soit ces projets Tamatonga solo. En plus, il est, je crois qu'il vient de reciner chez New Japan Tamatonga. Oui, oui, il vient de reciner parce qu'on croyait qu'ils étaient ouais. là. Euh... Tangalo Donc, aussi ouais. euh, au passage du coup. Oui, les deux, les deux. Ouais. Les deux Donc ça, ça m'inquiète un peu. Alors moi, je pense que ils peuvent aussi, pourquoi pas, aller, même s'ils ont pas trop besoin. Mais si as envie de les, les encore en équipe et tout, ils vont dans une autre faction. Pourquoi pas en Babyface Pourquoi pas Chaos Pourquoi pas euh... Ou pourquoi pas, euh, il crée un truc autour d'eux aussi, ça se peut. Peut-être. Peut-être. Euh, après, il y a aussi, même si je vois pas trop l'intérêt, United Empire. Non, je vois pas trop l'intérêt non plus, je pense pas. Je si pense Tu veux pas. faire, non, surtout mille... qu'il turn, donc il va pas, te... enfin, il se fait tabasser par Deal, il va devenir bah, fake. face. Oui, c'est face. De toute façon, les deux sont face. Euh, chaos, chaos, ça se pourrait. Après, bon, les factions en... chez Nudia, c'est pas le plus. Ouais. Je sais pas, ils peuvent reconstruire quelque chose peut-être, recréer quelque ouais, chose de tombé. Peut-être, peut-être. Ouais, moi, mais bon, à voir, mais moi je suis intéressé par Tamatonga. Tamatonga, il m'a impressionné lors du G1. C'est un bon mm. catcher mid-carder. Euh, face, ça peut le faire. Il est, oui, c'est pas ouf non plus. Non. Hein. Mais euh, effectivement, il a été meilleur que ce qu'on a pu voir. Si tu es, notamment en, vrai, en équipe on avait euh... bah, Et puis en, en face, ça sera peut-être mieux aussi que le Ouais, ouais peut-être. Non, je suis assez intrigué. Je, quand j'ai vu ça, je suis allé, why not? Jado aussi est viré, hein, au passage. Ouais, c'est ce que je dis. Ouais, oui, Jado, Tamatanga ton... ouais, et gallois, ouais, les trois ouais. sont virés. Gheddo et, et Jado sont foutus sur la tronche. Ouais, enfin, ouais. Gheddo a foutu sur la tronche à Jado, ouais. surtout. Il, il y avait eu un premier tour, non? non Jado, Guedo, il n'y a pas eu un match? Non, 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 Guedo, il était, euh, il était, euh, comment on dit, exempté. Ah oui, oui. oui. Jado, il était contre, euh, je ne sais plus. Il a perdu lamentablement, bien sûr. Ouais. Tu dois l'avoir sur le... ce que je t'ai envoyé. Euh, tac, Jado, il était à gauche si je me trompe pas, pas du tout. Il était à droite. Il a perdu contre chez Owens quand même. Ouais. Quoi ouais. On, on entend ton micro, Max. Comme ton son. Euh, donc du coup, euh, je vais euh, continuer. Euh, donc on était arrivé. Donc, euh, donc euh, ouais, au départ de Tamatonga euh, du côté de du, du Bullet Club. Donc il n'est plus dans le Bullet Club. Moi, ça m'intéresse vraiment de voir qu'est-ce qu qui va se passer. Donc on, on va suivre ça, hein. on, on vous en parlera bien entendu. Je vais enchaîner avec Hiromu Takashi contre Minoru Suzuki. Euh, 19 minutes 30. Euh, tu es de retour Max Ouais, ouais ok. Euh, donc euh, Minoru Suzuki contre Hiromu Takashi, c'est un match que je voulais voir mais que j'avais peu de temps de le voir. Euh, Max m'a dit regarde-le. Euh, donc euh, comme j'écoute Max, je l'ai regardé. Voilà. Et heureusement que j'ai vu. J'aurais été trop con de ne pas le voir en fait. Euh, Pour bon, ça, j'ai pas voulu t'en dire trop. Non, 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 non mais bon, après, je, je m'en doute, j'avais été plus ou moins spoil. J'avais vu une image de Hiromu après le. Euh, sans avoir marqué Hiromu à win, mais j'avais vu une image d'Hiromu dans les vestiaires. Il avait l'air d'être plutôt satisfait, on va dire, même si était ouais. fatigué. Euh, mais quel combat Dans le sens, c'est des mecs, ils se sont dit. <laughs> Minoru, il a dit Moi, je suis plus capable de grand-chose à part mettre des je... shops qu'est-ce qu'on fait bon on fait, bon, ouais. fait c'est même pas minutes. des chops. ouais c'est des des... Claques. des claques sur le torse des atémis bah claque. ouais, des, des claques ouais. et euh, du coup on fait bon bah, Hiromu l'a dit bon bah on fait simple euh, combat d'atémis pendant 12 minutes <laughs> un peu de rapidité de catch avec euh, avec Hiromu qui fait quelques moves rapides et tout à un moment histoire 2 et Minoru à la fin qui essaye ses moves mais ça passe pas et c'est une victoire d'Hiromu avec euh, avec un, un roll up un ouais c'est ça c'est un petit en cool. roll roll-up donc euh, super match j'ai adoré ce combat je c'est la simplicité au maximum mais qu'est-ce que c'est bien et qu'est-ce que c'est intense Hiro oh, tu C'est que le... c'est long en plus hein. mais, Oui 19 minutes hein. 19 minutes ça se met des claques dans le ouais, torse ouais, au ouais, bout ouais. de 2 minutes Suzuki saigne hein. ouais, ouais 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 Non non parce que Hiromu je l'avais déjà dit mais là il a l'expérience Mexique Au Mexique ils adorent faire ça Les shops comme ça là ils s'échangent beaucoup et euh, franchement, c'était très bon match. Euh, le, le, le storytelling est très très bon, je trouve. On comprend tout de suite le, le vétéran contre l'underdog et tout ça. Ça marche super bien. Franchement, je suis 4-4-25. Hein. Je, je suis vraiment là-dedans. Oh, euh, c'est vraiment très très bon. Et euh, c'est d'une simplicité, mais tellement efficace. Allez voir, allez voir si vous l'avez jamais vu. Enfin, si vous l'avez jamais... Si jamais vu. Euh... Pardon, je suis fatigué. Si vous n'avez pas vu ce match. Euh, C'est vraiment un très très bon match. Euh, L'un de mes matchs préférés depuis très longtemps de, de Hiromu. Euh, je trouve qu'il est ultra efficace et j'ai envie de le voir un peu plus haut euh, contre Davey Wade. Il faut que je regarde le. Euh, Qu'est-ce qu'il rencontre euh, Il va rencontrer qui ah, Je l'ai pas téléchargé. Il va rencontrer Evil. Evil, -les. Euh, ouais, oui, oui, bah ça on le sent. Et s'il passe, euh, Takagi. Bah Moi je veux faire ça. Moi veux aussi mais j'ai bien peur que Evil passe. Je pense pas. J'espère. Parce que Evil avait eu son, son... Le, le, le match où il avait perdu euh, Avant la, après la pandémie, je crois. Bah, quand il y a eu le ah. turn et tout ça. Là. Euh, et je pense que là il peut avoir sa revanche contre Evil. Après, Ville Takagi ça a un sens aussi, donc. Euh... Ouais, mais euh... j'ai envie de voir Shingo. Ah, ouais, mais vois, moi aussi, j'ai envie. Je te dis pas que j'ai pas envie. Je te dis que. Et je même, suis pas tu sûr fais... qu imagine, passe, tu fais la surprise, Iromu qui bat Shingo, tu sais. Iromu en demi contre un Osprey ou un Zack Saber. pas déconnant. Bon, je préfère voir Takagi quand même. Mais oui, tu peux. Surtout si tu veux le pocher et euh, l'envoyer vers les poids lourds. Ouais. Parce que je pense que c'est l'objectif pour Iromu, à un moment donné, c'est de passer chez les poids lourds. Euh, et si tu veux faire ça, si tu effectivement tu le fais arriver genre jusqu'en finale en battant des poids lourds à chaque tour, mmh, mmh. ça peut légitimer son arrivée dans les poids lourds. Ouais, ouais, pas. non, mais après, bon, on sent qu'il y a le Team Never aussi. Si bye, il va y aller vers le Team Never, c'est possible aussi. Ouais. Moi, et franchement, il est fantastique, je trouve, dans ce combat. Moi, je, ça ah oui, il est fantastique et, euh, il bon, se fait parce qu'il se fait défoncer, même si euh, lui aussi tape Suzuki et lui fait ouais. mal. La preuve, c'est ah, ouais. très vite, Suzuki. Mais dans les deux, c'est lui, c'est Hiromu qui se fait défoncer par Suzuki. Si vous écoutez pour Romania et que vous n'êtes pas des grands habitués de New Japan ou autre et que vous écoutez vraiment parce que vous êtes curieux et que vous avez envie de d'avoir des nouvelles de qu'est-ce qui se passe au Japon et tout et que vous avez vu le Minoru Suzuki Brian et que vous avez adoré sur l'élite, allez voir là, allez voir ce match parce que on est. C'est très différent quand même, mais dans le style. Dans le style, c'est différent, mais je trouve que Minoru donne tellement plus. Il avait moins besoin de donner à Brian, tu vois, dans l'idée. Mais là, il donne tout ce qu'il a pour Hiromu, je trouve. Il mais, mais, mais toujours beaucoup, dans la simplicité. Hein, dans la sim beaucoup plus simple quand ouais. même que même ce qu'il oui. a fait avec Brian. Bien même sûr. si nous, comme on l'avait dit à l'époque avec Brian, on a vu des matchs beaucoup plus ouais. intéressants que ça au Japon. Ouais, ouais, ouais. Bien entendu, beaucoup ont trouvé ça exceptionnel. Mm. Nous, on, a fait, on avait dit 4, quoi. Comme ouais, c'est ça. Ouais. Je crois. Ouais c'est bien hein, ouais. on sait que on pouvait on, bah, alors, on aurait pu vois, mieux préféré, et... je suis à 4.25 ouais ouais et pourtant ouais, il, y a, il, y a, il y a trois moves de catch hein, c'est ce que j'ai dit tout ah tout oui. bah, de toute <laughs> façon moi j'ai mis ça commence par des claquins sur le torse et après j'ai mis ça dure un long moment quand même <laughs> et après j'ai mis en fait c'est ça tout le match entrecoupé de prises de, de catch de temps en temps au de... mot. <laughs> <Dire -moi. rire> effectivement j'ai pas noté mais dire <laughs> Ouais, c'est clair c'est clair non non c'est très très bon allez le voir ce match il est vraiment très très bon Très, très et bon. mettez le son à fond, oui, oui, oui. c'est clair, c'est clair. Bah, des kicks et des claques, hein. on est... il n'y a pas de kicks mais des kicks, a... des claques, poteau, des, des, pas de kicks. des claques et des claques et des claques, des claques et des claques et, ouais. et des balles. Non, et des claques. Ouais. <laughs> donc, les, les, les matchs des huitièmes à voir, c'est donc Osprey, Fantasmo. Donc, là, tu as mis la oui, Non, j'ai pas Pardon. mis la photo, oh, non, 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 c'est Osprey, et Fantasmo, effectivement, ouais. des matchs à, euh, à rattraper. Si vous avez le temps, dookie, Zach Saber, mais c'est pas obligatoire. Et puis oui. bah celui-là quoi. Ouais, oui, Suzuki. Suzuki, mais les deux les deux plus importants match. oui. Ouais. ELP, Osprey et, le... et Suzuki Je pense que le meilleur match ça reste quand même le Shingo Ishii qui était 4, euh, oui, 4 25, oui, 4 -25 4 et demi. Est équivalent hein. c'est équivalent Oui, oui équivalent. Genre, on l avait mis 4 25 oh, même, ouais, je crois. Oh, ouais. Hein. Ouais. Ouais. Le ouais Osprey Fantasmo qui est dans un style totalement différent mais c'est ouais. vrai qu'il est... mais c'est très très bien aussi. Donc bon on n'a pas eu de gros bangers comme on a souvent dans les premiers tours. Ouais, le, comme on a souvent hein. à Okada Takagi. Bah, euh... Le Bunger qu'on devait avoir Ishida Takagi a été selon nous deux moins bon, mais oui. oui. on se souvient que Jérémy a mis 1415 Jérémy hein. 415. Oui. Ouais, donc euh, bon voilà, hein, ça restait très très bien hein, attention. Mais j'ai j'ai eu plus de surprises sur ce match-là et du coup j'ai peut-être plus apprécié. Oui bien sûr mais c'est oui c'est différent forcément. Ouais, on n'a ouais. pas la même attente. Ouais. Les alors on va parler du premier tour euh, de la première journée des des quarts. Des huitièmes. Des huitièmes. Moi des huitièmes pardon. Euh, non car non, non 8e. 8e oui huitième effectivement oui 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 non mais t'as raison oui. t'as raison, raison non c'est juste ce moi qui est bugué euh, bah, surtout es... qu'il y a beaucoup de tours oui oui, oui c'est clair on a commencé en 32e voilà, c'est clair c'est clair ouais, c'est pire que la Coupe de France quoi <laughs> non la Coupe de France t'as des t'as des tours que... préliminaire. c'est pire que la Coupe de la Ligue qui n'existe une... oui, plus si tu nous regardes quoi <laughs> Coupe de la Ligue si tu nous regardes salut l'artiste parti euh, trop, trop tôt parce que il était temps trop tard, que ça part trop <laughs> tard <tôt. rire> euh, donc euh, les matchs qu'on va parler euh, après il y aura donc euh, Okada contre Taichi Goto contre Shima euh, Tanahashi Naito qui a eu lieu aujourd'hui qu'on n'a pas vu qu'on va pas en parler ce soir on en parlera la semaine prochaine Jeff Cobb contre Yoshi Great euh, Greito Khan euh, Zach Saber Jr. Euh, Sanada contre Willow Spray Shingo Takagi contre Chase Owens. <laughs> cher, cher cher Cherchez l'intrus hein, dans tout ce qu'on dit. <laughs> Evil Hiromu Takahashi. Ah, Pour un peu, on va avoir Chase Owens et Evil. Hein. Et un retour de Evil. C'est vrai que les, cars, les 8e sont, sont pas dégueu. Mm. Mais surtout, ça devrait nous annoncer des, des cartes très, très très beaux. Ouais, clair. On va pas parler de ceux qu'on gagne sur les, la journée d'hier parce qu'on va en parler juste après. Mais ouais. ceux qu'on n'a pas vu Hiroshi, Neito Utana. À limite, peu ouais, importe. Ouais. Je dirais Naito. Ouais. Et Cob, normalement. Bah, la logique des choses, pour moi, c'est Naito Cobb Cob, Cob. qui a sa revanche. Voilà. Donc Naito cobb ça sera un très beau quart De ouais. l'autre côté, on a Gretokan, Zach Saber, ça devrait être Zach Saber. Saber Sinada, spray, ouais. Donc, si on je dirais Osprey. Donc si on a un Zach Saber Osprey en quart ah, Ouais, à moins que on, Gretokan ait quand même l'air d'être assez peu à moins qu'on ait une surprise là. Ah, Zach Saber était pas mal pêché quand même dernièrement euh, avec le G1. Hein. Mais non, non, mais je te parle d'aller en en Conte au spray par exemple. Ouais, ouais, mais faut qu'il batte Zach Saber quand même. Ouais, ouais, ouais bah c'est ça, je te dis, la surprise. Pour, pour ouais, montrer. ça peut, ça peut. Après, si on peut avoir Zach Saber au spray, je suis content. Quoi. Oui, bah on... ça c'est du classique. Hein. <laughs> mais moi je pense que ça n'a d'un peu win, hein, attention. Oui, Il est champion donc euh, c'est possible aussi. Bah, oui. J'espère, j'espère. Zach Saber Ospreay, ben. j'espère qu'ils vont pas passer au, au fait qu'ils peuvent re avoir un nouveau Zach Saber Ospreay. Quoi, ça a été euh, l'un des matchs de l'année en 2020, je crois, euh, okay. euh, avec Mais leur match en Angleterre. Ça fait quand même pas mal de temps qu'ils se sont pas rencontrés. 2020, ça peut être l'occasion. 2020, ça fait deux ans. Osprey qui bat Sanada, c'était un petit peu aussi ton idée pour dire qu'il allait vers le titre US. Oui. L'idée ouais. de Jérémy, je sais plus. Non, c'était la tienne. Euh, Jérémy, plus pour euh, que lui, il voit pourquoi pas euh, Osprey, Moxley euh, autour oui, du la TS. c'est vrai. Donc, il euh, y a aussi le titre dans l'histoire. Donc, tu bats Sanada. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est possible. possible. Bon, ah, je pense qu'Osprey passe, moi, quand même. Ah, je ouais. vois bien l'Osprey, Zach Saber, encore. Et puis, de l'autre côté, bah, comme on disait tout à l'heure, on espère hein, un Takagi Ouro. contre Hiromu. Ça serait bien. Ouais. Ça pourrait donner des cartes de ouf sans parler du quart euh, sur lequel on va pouvoir parler là. Effectivement, on va enchaîner du coup avec euh, le, le premier quart. C'était donc euh, dans un premier temps il y avait euh, Shima de Gleito contre Hiroki Goto. Euh, un très bon match. Euh, C'était bien cool euh, Qu'est-ce que je suis content De voir Shima là z -z 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 -vo voilà. ça Ah placer. ça fait plaisir si Ils font passer des tours hein. Ouais mais oui puis là, On va spoil Mais c'est Okada Qui passe après Contaichi Et on bon, aura bon, Le on Shima Okada On va pouvoir parler Okada. Du quart hein, Voilà l'autre voilà quart le, le dernier quart Qu'on a enfin, Qu'on peut avoir Parce que là On, ouais, on va l'avoir ouais. Shima Okada quoi. Shima Okada Sur le papier C'est costaud quoi Ah oui Et puis Shima Qui va gagner le tournoi Je vous rappelle Donc non mais je pense que ça s'arrêterait là pour Shima, mais euh... oui moi aussi. Moi mais Il aussi. aurait fait un bon tournoi quand même ouais. parce que mine de rien. Ton contre le champion. Oui, on... tu bats Goto quand même. Oui. Un mec bien placé puis, chez JP. Bah, c'est ce que dit euh, Kevin Kelly. Dit c'est le premier upset euh, du tournoi. On peut ouais. on, clairement oui parce que Goto ça reste le champion par équipe. Même. Oui même si nous on avait dit, on pensait que Shima gagnait. Oui donc, oui. Euh... Bien sûr mais ça reste Goto, le, ton, champion ça reste Goto. Ça reste ton champion par équipe. Ça C'est ton champion par équipe actuel. Donc euh... Shima Tio pour les titres, du les titres par équipe et El Desperado contre euh... contre Lindaman pour les titres et pourquoi junior, pas, voilà. et, pourquoi et, pas. Et, voilà. et pourquoi pas et pourquoi pas totalement hein. et Onizuka qui court à côté ouais. <laughs> ou, ou, ou Desperado contre Lindaman à Glade oui pas forcément chez NJP ça peut être à ça. Ça peut ça peut être ça hein. ça peut être Bien ça sûr. mais en tout cas voilà donc Shima Goto moi j'ai trouvé le match très bon euh, assez rythmé dans mes souvenirs quand même mine de ouais. rien bah, l'agilité de Shima avec les, les fulgurances de Goto on va dire Parce que Goto il a un catch qui peut être rapide mais très entrecoupé on va ouais. dire mm. Goto c'est ça c'est ça va être calme puis par moment pas, pas des accélérations puissant, quoi. Quoi, Goto. ouais mm. quand il, il s'y met, il s'y quoi mais c'est sur des laps de temps quoi mm. du coup l'agilité de Shima et la rapidité de Shima avec Goto qui lui met des accélérations par moment bah, ça rendait bien Oui, ouais, et puis j'ai ai bien aimé cette fin euh, de cette fin de, euh, cette fin de... De, comment dire, de, de match de combat, de oui. combat euh, avec le double double Météora euh, de la part de, de oui. Shima, euh, c'était vraiment bien cool. Euh, J'ai fait des résumés euh, sur ces matchs là. Euh, oui. Après un début de match où Shima domine son adversaire, Goto revient dans le combat avec ses classiques. On a ensuite un bon match vivant où Goto travaille la nuque de Shima. Euh, match très 50-50 et euh, Météora esquivé par Goto. Euh, un Peu plus tard, et à la fin, il y a quand même Shima qui porte un, un double météora. Euh, pour la victoire. J'ai mis 375. Ouais, je suis à 375 aussi, et ah. j'ai mis pas dans le même style. C'est du 50-50, et ouais. c'était très bien là-dessus. Ouais. Et ça fonctionne très bien entre les ouais, deux. Ouais. Donc, Mais je, je suis très, très, très hypé par Shima Okada. Vraiment. Ouais, ouais, ouais. Vraiment. Shima Okada. Mais voilà, encore une fois, l'écart. Euh, mm. Tu peux avoir Shima Okada, Neito Cobb, Osprey, ouais. Zack Saber et Takagi Rumu ouais. Si Donc... nous font ça, euh, pff, à partir d'écart, ça va être devenir. On peut fou. avoir Cheso and Seville. <laughs> <laughs> moi tranquille. <laughs> non, mais ouais. ça peut vraiment être fou. Le Main Event, un match qu'on avait déjà vu et qui a toujours été bon. Euh, Taishi, Kazushika Okada, ça a toujours été très bon. Euh, et on a eu vraiment un bon match, encore une fois, ouais. euh, très efficace. Après un début de match où les deux hommes esquivent son adversaire, j'ai aimé parce qu'au début, les deux esquivent leur move habituel. Ouais. Donc, euh, on, on sent que les deux mecs se connaissent, ils se confondent depuis quelques temps et tout. Taichi a déjà battu Okada, je crois, dans mes souvenirs. Euh, oui, je crois. Je, je crois dans, en surprise, vérifié, je crois. Je t'avoue, mais euh, ouais. il me semble que oui. Il me semble que oui. Je sais pas pourquoi j'ai ça, dans, genre dans un climax, non dans un climax, tu dirais Ouais, je crois. Moi, oh, je ne sais plus. Je sais plus. Euh, Tachi pour, prend l'avantage avec un gros high kick euh, sur Okada. Okada revient avec un flapjack un peu plus tard dans le combat. On a une première partie de combat qui prend son temps, mais c'est intéressant et physique. Euh, Tachi enlève son froc et bien entendu ça hum, C'est ça. Climax 2020. Voilà, J'avais ce, ce souvenir-là. Euh, finalement, je me souviens de cette surprise un peu... Euh, qui euh, Taishi gagne contre Okada. Et euh, 2021, Okada a pris sa revanche. Ouais. Il a gagné. Okay. Donc on était en gros à 1-1. Non, non, il y en a eu d'autres que... Oui, Okada oui, a gagné. Oui, oui, oui. On est à 4-1, par an. Oh, okay. Oui, oui. Euh, sur les deux dernières années. Quoi, on va dire. Euh, <laughs> ça, c'est vraiment les stats juste pour euh, que... Je... <laughs> je prends les stats que depuis deux ans, moi. <laughs> On a un Tombstone plus un Money Clip pour euh, Okada, mais c'est les cordes pour euh, Taichi. Taichi arrive à s'en sortir avec une Lariat, enfin, c'est pas vraiment une Lariat, mais c'est un move un peu euh, du style. Euh, Taichi contre un Dropkick euh, en l'air. Avec une sorte de shock donc euh, le dropkick habituel de Okada. Il parle de dropkick et, comme on l'a dit depuis le début du combat, Tachi contre tous les gros moves de, de Okada. Ouais. Et là, il compte son dropkick qui est magnifique, qui prend une belle hauteur en bon. shock zelem. Et c'est vraiment très cool. C'est bien fait. Très, hein. bon contre, ouais. très bon contre. On a un gros last ride euh, near fall d'Okada. Et puis ça finit avec euh, une victoire d'Okada avec son Rainmaker. Après un très bon match, un très bon main event, Jimmy 4. Euh, J'ai trouvé ça très efficace. Encore une fois, Tachi très bon dans ce rôle-là. Euh, voilà, il ira jamais plus haut, mais parce qu'il a 40 ans quand même, Tachi. Ouais, c'est ça. Il mais... est pas jeune. Ouais. Mais ça n'empêche. Il fait du playback. Ouais, ouais, ouais. Mais ça n'empêche <laughs> que c'était vraiment un bon match. Vraiment ouais. un... un bon match. J'ai mis 4 aussi. J'ai marqué un vrai bon match avec un Tachi qui a eu du répondant sur Okada. C'était très cool. Le... Le match que honnêtement je m'attendais entre les deux. Voilà, c'était physique, c'était intense. Des beaux drop kick j'ai noté parce que effectivement ouais. euh, il y a celui-là et il y a celui qui le réussit après ouais, sur ça. la fin du match. Oui parce qu'il finit euh... le match avec le Rainmaker, mais avant il a ses moves. Moi, il a, euh, notamment il a drop son dropkick, Tombstone puis euh, Tom Stone. Rainmaker mm. voilà. Et je trouve que Taishi a été très mis en avant pendant ce match -là. ouais C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que Taishi vraiment malgré la victoire d'Okada, je trouve que Taishi en sort grandi. Mm. Toi s'il y si avait en encore en ce titre intercontinental, il aurait pu le prendre quoi. Ouais bien sûr, bien sûr. Mais après il peut aller vers le titre never. Hein. Oui, oui, oui. Oui. Ça lui ira très bien aussi. Hein. Actuellement, non, mais, euh, parce que c'est ville. Euh... Oui, parce que c'est ville, mais, mais effectivement. Mais oui, oui je suis d'accord. Mais il manque ce titre d'accord. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais voilà, mais ça, ce qui termine un, une, un pour Romania euh, qui a été un peu euh, entrecoupé euh, suite au, au départ de Fab. On espère que tout va bien pour lui. Hein, voilà. Il a mis un message, ça va. Ok, d'accord. Okay. Euh, mais, mais voilà, mais en tout cas, euh, merci à toi, Max. C'était un, un bah, vrai plaisir. Merci. Mais comme d'habitude, euh, comme toujours, bien sûr, bien sûr. Mais euh, nous, on se retrouve donc euh, la semaine prochaine pour un gros pour Mania. Alors là, je sais pas combien de temps ça va durer, mais je pense. Que alors, il y a donc les huitièmes NJP qui restent et l'écart complet. Ouais, euh, Bon, ça, c'est pour New Japan ouais. TGPW avec un gros show, Miyu Yamashita contre Shoko Nakajima en, euh, en main event. Comment c'est machin, princesse, euh, princesse, euh, euh... Slam, princess, euh, giant, Slam. je sais plus. J'sais plus. Okay. Je sais plus comment c'est. Je sais qu'il y a Princesse, ouais, mais. Prin Princess Giant, oh, je sais plus, bref, le nom du show, mais c'est un gros show de TGB. Il y a Didi ouais, avec le Endo Takashita en main event. Voilà, donc déjà rien, rien potentiel que le Il 5 euh, casquettes. Euh, je sais plus ce qu'il y a d'autre sur la carte, mais il <laughs> y a ça déjà. Peu importe, Déjà, il y a ça. Il y a également. Euh, Noah, qu'on a parlé tout à l'heure. qu'on a parlé tout à l'heure. Et All Japan avec euh, Kento Mira, contre Shikawa euh, lundi. Oui. Donc euh, gros, gros show. Euh, peut-être regarder mais peut-être qu'on le fera en live le jeudi hein. je me dis je vu là le, le, le quand même le, et puis ça nous laissera le temps de regarder tu vois euh, je regarde si on regarde en live il va falloir qu'on regarde plus d'NJP hein. bah on verra au pire on parlera moins de enfin on, à... on verra on verra bien il y a beaucoup de choses euh, entre Bah c'est et... ça faut que je regarde on est le 15 donc on sera le 24 on sera le 24, si je clique ça va pas. Non c'est bon, ça change rien. Ouais ok bah je pour... allez on le fera en live. Enfin, je, vous, je peux vous le dire, on le fera en live. Comme ça nous ça nous laissera le temps de mater parce que moi ce week-end j'ai plus de Rix, ouais. j'espère vous voir nombreux. Euh, et euh, donc du coup j'aurai pas le temps de mater ce week-end des trucs, donc euh, comme ça ça me laisse le temps de, de mater au maximum. Et puis on se fera ça, euh, on se fera ça tranquillou. Parce donc que euh, moi ce week-end j'ai la F1, ouais. ça démarre. Ça ouais. prend du temps aussi à regarder. Ouais, bah ouais. J'ai UFC London qui va être vachement bien. Ah oui, j'ai vu la carte, j'ai pourri. Non, 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 c'est super la carte. Ouais, non, va être très, très bonne. Mais après, c'est pas, un show numéroté, donc ça reste les shows en dessous. Mais non, ça va être très, très bien parce qu'il y a notamment deux Catchers anglais qui sont très intéressants à voir. Deux Catchers. Ça va aussi me prendre du temps. Deux Catchers. Fighter. Fighter anglais. L'avantage c'est que c'est pas la nuit. Non, là ça sera. Tu vas regarder en live du coup. Je sais pas, ah, je okay. t'avoue, je sais pas, ça va dépendre. Je crois que c'est 19h donc c'est pas très évident pour la vie ouais. de famille, on va dire. Ouais, c'est clair. Euh... Ok, ok, ok. Mais bon, voilà, en tout cas, la semaine prochaine, on fera pour remonter en live. Jeudi euh, 20h30 si on peut, euh, on verra bien. De toute façon, euh, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux pour avoir plus de nouvelles. On vous fait des bisous, on vous dit donc à la semaine prochaine en live, exceptionnellement, vu le nombre de, de shows. On sera bien obligé. En tout cas, merci à vous. Comme on dit chez nous, Bonsaï. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao. Ciao.